un industriel venait s'installer, terrasser le terrain, construire une usine, c'est fini. Aujourd'hui, les industriels viennent trouver des terrains déjà aménagés, des bâtiments, ils installent seulement les machines, ils font l'interconnexion, ils travaillent. Nous avons besoin de mettre en place des infrastructures de télécommunication, comme la fibre optique, pour pouvoir aller vite. Nous avons besoin de construire des hôpitaux, des écoles pour l'enseignement technique, des écoles d'ingénieurs, des écoles de médecine. Donc, on a besoin de faire tout ça. Et pour cela, on a besoin des capitaux. Maintenant, il y a deux manières d'avoir ces capitaux. Première manière, on les a par la dette intérieure. La dette intérieure, c'est d'ailleurs ce que je conseille le plus. Il y a des moyens d'augmenter le stock de la dette intérieure et de contrebalancer le stock de la dette extérieure qui est très important en termes de flux financiers. C'est-à-dire que l'État emprunte de l'argent auprès des banques. Je rappelle, emprunter, c'est prendre et avec la promesse de rembourser. Et prêter, c'est donner avec la promesse d'être remboursé. L'État emprunte de l'argent auprès des banques commerciales. L'État du Cameroun emprunte auprès des banques commerciales. L'État du Cameroun fait travailler les entreprises camerounaises qu'elles ne payent pas tout de suite. On a des entreprises qui arrivent, on dit, bon, voilà, dans un village, une entreprise va construire 4 écoles d'enseignement primaire, montant de l'investissement 2 milliards. Elle va s'endetter à la banque, et quand elle a gagné le marché, elle apporte comme garantie à la banque attestation de virement irrévocable. Bon, elle donne des garanties, la banque lui prête de l'argent, et une fois qu'elle a construit, elle attend d'être payée par l'État. C'est la dette dont l'État doit l'argent aux entreprises. En plus, il faut comprendre que l'État, ce qu'on appelle les EPI et les EPA, c'est-à-dire que établissement public administratif, établissement, je crois, c'est les entreprises, les universités, les sociétés d'économie mixte, les CDC, tout ça. Toutes ces entreprises-là, quand elles vont emprunter l'argent à la banque, celui qui leur apporte la caution ou la garantie, au cas où elles sont insolvables, c'est l'État. Donc ça aussi, c'est de la dette de l'État. Donc, de par les démembrements de l'État, qui sont des établissements publics, comme les universités, qui sont des sociétés d'économie mixte, comme les CDC, à l'UQAM, etc. De par même le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire qu'il faut des rames de papier, il faut des ordinateurs, il faut, etc. Si Voilà. tu peux mettre un point à ça, je crois que dans le domaine, pour ceux qui sont là, qui sont les habitués des facultés de sciences humaines, je sais que ce sont des éléments un peu compliqués, mais voyez ça un peu comme une contribution des entreprises internes dans un pays à la manœuvre, au devoir de l'État, parce que l'État a un devoir d'éduquer les populations et de favoriser aussi même l'environnement pour qu'il y ait l'éducation. Alors, les écoles privées, ce qu'on appelle les écoles privées de formation, comme les universités privées au Cameroun, vont donc, en contractant des crédits parfois, soutenir l'État dans son travail qui est celui-là d'éduquer les Camerounais. Donc, d'une certaine façon, ça retombe encore comme étant une des tâches du gouvernement en place. Donc, c'est juste une parenthèse que je faisais comme ça, Élisée, pour que ceux qui ne sont pas dans le domaine purement économique comprennent Tout à le fait. pouvoir que Non, l'État a ça montre responsable. bien que l'État du Cameroun s'endette. Il s'endette à l'intérieur. Donc, il a beaucoup de dettes à l'intérieur. Il lance des emprunts obligataires à la bourse de Douala. Les Camerounais mettent leur épargne. L'État du Cameroun. Et même encore, j'irai plus loin. Lorsque nous allons mettre en place la régionalisation, le fédéralisme dans notre pays, ça va changer beaucoup de choses parce que les villes auront la capacité d'aller emprunter de l'argent sur les marchés financiers, par exemple. Pour construire les infrastructures. Et c'est l'État qui va garantir cette dette-là. Les régions aussi, ou les États fédérés pourront le faire aussi. C'est l'État qui va garantir cette dette. Donc, l'État a des dettes à l'intérieur. Il emprunte chez les banques. Il prend chez les entreprises qui font travail à crédit. Il garantit les prêts des sociétés, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte ou l'État actionnaire. Ensuite, l'État a maintenant la dette extérieure, ça veut dire que qui vient hors du Cameroun. Et cette dette-là, elle est libellée essentiellement en dollars. Elle est libellée en dollars ou en euros. C'est une dette qui vient de l'extérieur. Donc, il prend auprès des bailleurs multilatéraux, il prend auprès des bailleurs de fonds bilatéraux, comme j'ai expliqué. En parlant de cette dette externe-là, pardon, juste une seconde, si je me permets, tu as tellement bien expliqué, parce que c'est tellement propre, là on comprend ce que c'est que la dette interne, la dette externe. Bon, maintenant, la dette extérieure dont on parle, il y a quelque chose là qui m'intéresse, parce que ces dernières années, on remarque que les bailleurs de fonds extérieurs n'ont pas beaucoup soutenu le Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer ça?
C'est compliqué ou bien c'est quoi? Non, non, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est que c'était un C'est que vaste c'est le sujet. Cameroun qui est bizarre ou bien c'est que... Non, c'est que c'était un vaste sujet, c'est un vaste sujet, et j'essaie, en fait, je soupire parce que j'essaie, il faut essayer de le dire sans donner un angle d'attaque aux gens qui veulent à chaque fois déformer ce que nous disions pour nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. C'est important Oui. parce que dans ce sujet-là, il y a des gens qui attendent la moindre phrase pour dire, ah, vous voyez, ils disent ça parce que, etc., etc. La vérité, j'ai eu à le démontrer précédemment, c'est que j'ai eu à montrer un tableau au Camerounais qui parle. Je ne sais pas si je l'ai encore là, le tableau, Un je le tableau montre. de Jeune Afrique, non? Je crois que c'est de Voilà, Jeune de Jeune Afrique. Afrique, exact, de Qui Jeune Afrique. montrait un récapitulatif en termes de dette De des Jeune Afrique, pays. ouais. Faut que je le montre un peu, que les Camerounais comprennent. Parce que ça parle, et les Camerounais vont bien vite comprendre pourquoi on ne prête pas au Cameroun. Parce que si je dis seulement comme ça, beaucoup vont m'attaquer en disant que, voilà, je dénigre le Cameroun ou quoi que ce soit. Alors que ce n'est pas le cas. Je vois. Bon, je vais montrer le tableau, en fait, les gens vont voir. Je vais montrer le tableau. Bon, voici ce tableau-là. J'espère que les gens le voient là à l'antenne. J'espère que les gens le voient. Bon. Voilà ce Les gens le voient, les gens le voient. tableau-là qui récapitule la dette de plusieurs pays majeurs. Ça, on va laisser les petits pays là. Ce qui est important, c'est la dette de trois pays. Là, c'est le Cameroun. Là, c'est le Cameroun. Là, c'est la Côte d'Ivoire. Là, c'est le Sénégal. Au fond, là, tout au fond, c'est le Sénégal. Là, au milieu, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Là, c'est ce pays-là. Okay. Voilà. Là, tu peux garder la parole. Pendant ce temps, on voit Voilà. le Super. diagramme. On voit le Super. diagramme. Voilà. Tu as le diagramme. Voilà. Super. Tu as le diagramme. Voilà. Donc là, on voit la dette du Cameroun ici. On voit la dette de la Côte d'Ivoire, on voit la dette du Sénégal. Bon, voilà. Ce qu'il faut bien expliquer aux Camerounais, voilà, c'est que en rouge là, voilà là, en rouge là, exact, en rouge là, c'est les prêts que nous avons contactés à la Chine. C'est les prêts que les pays ont contactés à la Chine. Or, quand on regarde en rouge dans la colonne du Cameroun, on voit que le montant, le volume est très important. On voit que le volume du Congo, qui est juste à côté du Cameroun, est très important aussi en proportion. Voilà le Cameroun. Voilà, il faut souligner aussi la Côte d'Ivoire, là. La Côte La Côte d'Ivoire, d'Ivoire, il faut qu'on la voilà. souligne. Voilà, voici la Côte d'Ivoire ici, là. Voilà, la Côte d'Ivoire. Voilà, Okay. exact. Et le Sénégal à la fin, là. Le Et le Sénégal à Sénégal, la fin. il est... Oui, au fond, là, au fond, voilà. Au fond, voilà. Super. Voilà. 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 Donc, on a les trois acteurs. Donc, chacun peut voir. C'est ceux qui nous intéressent. Les autres, là, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Donc, on voit bien que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, en proportion de la dette en rouge, parce que ce n'est pas par hasard que Jeune Afrique a choisi la couleur rouge. La couleur rouge est très importante. On voit que c'est assez important. Le volume de le stock de la dette en rouge à la Chine. C'est un prêt bilatéral, mais c'est un prêt dit que, où tu négocies pas grand-chose. On dit, bon, voilà, tu veux une route, bon, on te donne une route. Et ici, au niveau des Ivoiriens, on voit que les Ivoiriens ont très peu consommé des prêts chinois. Ensuite, on voit que les Sénégalais en ont presque très peu consommé. Comme les Ivoiriens. Et que ces pays-là, ce qui est en or, là, appelons ça la couleur or, c'est les prêts sur les marchés financiers. Ça veut dire que quand vous avez un bon risque pays, quand vous avez une bonne notation, quand vous avez, on appelle ça le rating pays, ça veut dire qu'il y a des agences qui sont spécialisées dans la notation. Donc, on dit Fitch, Standard & Poor's, Moody's, Coface, etc. Ils viennent Appelez sa chez vous. cotation, hein, pour ceux qui sont là qui ne comprennent pas, appelez sa cotation. Je rappelle Exact. pour ceux qui sont là que l'information, l'image, si est une image issue de... d'un média confrère, Jeune Afrique, dont vous Et Jeune voyez le... Afrique même qui a pris ces informations à la Banque mondiale. Ils ont bien précisé la source en bas, hein, que c'est une Voilà. information de la Banque mondiale. Donc ce n'est pas une.
un truc qu'on aurait inventé pour faire quoi que ce soit. Donc, simplement, on regarde les chiffres. Quand on regarde les chiffres, on voit que la Banque mondiale, parce qu'un pays, tous les pays du monde, vont à la bourse pour emprunter de l'argent. Vous émettez des obligations et les gens qui prêtent de l'argent, c'est les fonds de pension, c'est les fonds d'investissement, ils ont confiance en vous, ils achètent. C'est-à-dire que toi et moi, Stevie, nous déposons notre argent chez quelqu'un qui a un fonds d'investissement. Et lui, son travail, c'est de regarder les gens qui ont besoin d'argent et c'est de commander des notes à des agents de rating qui vont, quand c'est les pays, qui vont faire des enquêtes, qui regardent la dette, qui regardent la corruption, qui regardent le climat politique, qui regardent tous ces paramètres-là et donnent une note. Et quand le pays est attractif... Comme des inspecteurs pédagogiques dans les écoles en ce qui concerne les indicateurs. Exact. Et quand le pays est attractif, quand le pays est attractif, les fonds de pension et les fonds d'investissement achètent les obligations et les gardent par devers eux et reçoivent des intérêts. Et quand le pays n'est pas attractif, évidemment, ils n'achètent pas. Bon, on a regardé dans le tableau qui était là qu'en proportion, les gens n'ont pas acheté les obligations du Cameroun. Et parce que les gens n'ont pas acheté des obligations du Cameroun, le Cameroun a dû se retourner vers la Chine pour prendre des prêts qui ne sont pas vraiment des prêts attractifs. Parce que s'ils étaient attractifs, des pays comme le Sénégal, des pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont gérés par des économistes, auraient aussi pris ces prêts-là. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas attractifs. Ils coûtent cher en réalité. Donc, ça démontre que le Cameroun n'attire pas l'argent sur les marchés des capitaux. Ça veut dire que là où il y a l'argent, ça veut dire que l'argent qu'il y a sur le marché des capitaux, la Chine n'a même pas 3% de cet argent-là. Il y a énormément d'argent dans le monde sur le marché des capitaux. Donc, si le Cameroun n'a pas accès à ce marché des capitaux, c'est parce qu'il y a un problème. Et le problème, une fois que tout le monde a vu le tableau, les chiffres, tout, le problème est un problème politique. Oui, c'est la question que je voulais poser. Hein. Je voulais demander pourquoi est-ce que la dette du Cameroun vis-à-vis de la Chine pose un problème aujourd'hui, compte tenu de parce ce qu'on vient de dire. La Chine n'est pas regardante. La Chine avait décrit son principe. Bon, on peut comprendre la Chine. C'est-à-dire qu'alors qu'elle-même, elle a mis en place un modèle politique qu'elle a bien expliqué aux pays ou aux détenteurs de capitaux en disant, bon, on a un modèle, on va faire une démocratie à l'intérieur d'un parti unique parce que nous avons 1,5 milliard d'habitants. Si on ouvre très vite avec la multiplicité de peuples qui composent la Chine, ça peut exploser. Nous sommes obligés d'aller doucement. Mais ils ont mis un modèle avec une alternance à la présidence, à la vice-présidence, au premier ministère, dans la tête des États, etc. Il y a une alternance. Il y a plus ou moins, bon, c'est vrai qu'ils ont mis en place leur modèle à eux, qui font que ça rassure les investisseurs. On a une visibilité. On sait que, voilà, sur 10 ans, sur 20 ans, etc., ils ont fait des réformes. Donc, la Chine peut attirer les capitaux des investisseurs dans le monde depuis 1980. Maintenant, la Chine aussi, quand elle va, mais on peut la comprendre parce qu'elle voulait en fait avoir du soft power. Ça veut dire qu'un pouvoir d'influence en Afrique, elle dit, moi, je prête de l'argent, je ne regarde pas le climat politique. Je ne m'ingère pas des affaires politiques des gens. Elle a fait ça au Zimbabwe. Elle a fait ça dans un certain nombre de pays d'Afrique. Bon. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, en fait, à travers une étude qui a été produite par l'université de Hopkins, que ce n'était pas vraiment ça. Parce qu'en fait, elle demandait d'autres garanties qui sont les matières premières, les terres, les choses comme ça. Donc, la Chine prête de l'argent à nos pays. Maintenant, tout pays sérieux qui a besoin de capitaux, les capitaux sont moins chers et les capitaux vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. Quand vous venez emprunter l'argent, vous dites, bon, voilà, moi, je vais mettre dans les infrastructures, voir l'impact économique. Vous l'utilisez comme vous voulez. Tout pays sérieux va s'endetter sur les marchés financiers. On s'aperçoit que le Cameroun, a plus de potentiel, c'est-à-dire qu'en termes de potentiel, on devrait avoir le Cameroun. La Côte d'Ivoire est plus le Sénégal. Le Cameroun ne s'est pas emprunté, ne s'est pas endetté sur les marchés financiers. Il allait s'endetter auprès de la Chine. Et je rappelle que la Chine est le deuxième pays à emprunter l'argent à la Banque mondiale. Je dis emprunter, je ne dis pas prêter. C'est-à-dire que la Chine s'endette à la Banque mondiale. Le deuxième pays qui s'endette à la Banque mondiale, c'est la Chine.
La Chine s'endette encore la Banque mondiale pour faire des routes, etc. Donc, la Chine, elle a fait deux choses. Elle a pris une partie dans ses réserves, puisqu'elle exporte beaucoup vers les États-Unis et l'Europe. Et elle a pris aussi des prêts sur les marchés des capitaux. C'est intéressant parce que, imaginez une entreprise chinoise vient dire, bon, je vais construire des ponts métalliques au Cameroun. Chaque pont va coûter à l'État du Cameroun, je vais le facturer, ça 20 milliards. Je vais construire 10 ponts, ça va coûter 200 milliards. Mais l'acier va venir de Chine. Les travailleurs vont venir de Chine. La main d'œuvre, le bitume, tout va venir de Chine. Bon, ce qui se passe, c'est que le pont va coûter, les 10 ponts vont coûter 200 milliards, mais les inputs, ça veut dire le matériel qu'on va utiliser pour faire ces ponts, en Chine, il est fabriqué à 60 milliards. Et il va dire au Cameroun, bon, écoute, pas de droit de douane. Bon, évidemment, le dirigeant camerounais, ce que lui veut quand même, c'est qu'il y ait des ponts, que les gens puissent traverser, etc., etc. Le gouvernement camerounais va signer ça. Le gouvernement chinois va dire, OK, merci. Le gouvernement camerounais va lui dire, bon, je te donne un droit d'exploitation, par exemple, sur des forêts, par exemple. Et donc, la Chine va emprunter 60 milliards à la bourse, ici aux États-Unis, à New York, parce que le gouvernement chinois a une bonne signature, va donner cet argent à Exim Bank. Exim Bank va le prêter à des entreprises d'État, parce que le capitalisme chinois, c'est un capitalisme d'État, beaucoup, soit d'État national, soit des États locaux. Et ces entreprises d'État, là, maintenant, vont fabriquer les ponts, le matériel des ponts, vont les transporter au Cameroun, vont les visser, vont les monter, tout. Au final, ça revient à la Chine peut-être à 80 milliards, mais la facture qui sera tendue au Cameroun, c'est de 200 milliards. Et sur le temps aussi sur lequel cela va s'éponger est grand au Cameroun. Donc, en termes de bien, voilà. La Chine gagne plus. Voilà, elle gagne plus. Donc, logiquement, on a vu que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur les marchés financiers, sur les marchés des capitaux, ils empruntent, ils lèvent de l'argent directement. Ceci, ce n'est pas pour attaquer la Chine ou pour attaquer un pays, non, non, non. Ceci, c'est pour dire que désormais, dans notre pays, nous devons créer les conditions pour aller nous-mêmes directement sur les marchés financiers. Il y a une bourse à Shanghai en Chine où on peut emprunter l'argent en dollars en Chine. Il y a une bourse au Japon, à Tokyo, où on peut emprunter l'argent. Il y a une bourse à Francfort, en Allemagne, où on peut emprunter l'argent. Il y a une bourse à Paris, à la City, à Londres, à Paris, en France, où on peut emprunter l'argent. Il y a une bourse aux États-Unis, à New York, à Chicago. Il y a une bourse à Lagos au Nigeria, il y a une bourse à Johannesburg en Afrique du Sud. Donc, il y a plusieurs endroits au monde où l'argent est bêtement disponible en quantité importante. Simplement, les raisons pour lesquelles on ne nous prête pas l'argent sont des raisons politiques. Ça veut dire que les gens, quand ils veulent venir investir dans un pays, ils regardent le taux de corruption et de détournement. Par exemple, quand ils regardent dans un pays, ils voient qu'on devait construire une route à 60 milliards, ils ne voient pas la route. Et ils voient que les personnes qui devaient construire la route ne sont pas sanctionnées. Donc, ils ont peur, ils se disent, bon, voilà, comment ça va être remboursé? Il n'y a pas de transparence dans la gestion du stock de la dette. Il n'y a pas de transparence dans la gestion des finances publiques. On ne connaît pas les chiffres réels de l'état de l'économie du Cameroun. C'est des approximations. Parce que quand on les croise avec les chiffres des pays voisins, on voit qu'on n'y est pas. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Et puis, il y a la question, je l'ai dit la dernière fois, quand on regarde, lorsque le Cameroun a pris le virage d'aller en Chine, c'est parce que les dirigeants camerounais voyaient très bien que la Côte d'Ivoire était en train de lever de l'argent sur les marchés internationaux et allait lancer des grands travaux d'infrastructure. Le Sénégal était en train de lever les argent sur les marchés internationaux. On a vu ce que Macky Sall a fait. Il a construit une nouvelle ville, Diamnadio. Il a construit le RER entre Diamnadio et Dakar. Il a construit le métro. Il a construit des centrales solaires. Il a construit des barrages. Il a aménagé 200 000 hectares de terre. C'est beaucoup quand même. 200 000 hectares de terre. Ça fait 20 000 km carrés bien aménagés où les gens peuvent faire l'agriculture. Le riz, les fruits et légumes, les céréales, etc. etc., etc. Il a construit fait l'exploration de pollution pour le pétrole. Ils ont conçu un aéroport, aéroport Blaise Diagne. Ils ont réhabilité les grandes entreprises d'État. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais on voit que chez nous, on n'a pas fait. C'est que les investisseurs, les gens qui mettent de l'argent dans le pays, je suis là-dessus, c'est important. Les gens qui mettent l'argent dans notre pays, regardent. Or, au moment où l'État du Cameroun a vu qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on levait de l'argent, l'État du Cameroun a très bien compris que ça allait poser problème au Cameroun. Donc, pour ne pas être à la traîne, ils se sont lancés en Chine. Mais pour quelles raisons
les obligations, la signature du Cameroun était plus bonne sur le marché mondial. Souvenez-vous qu'on avait modifié la constitution au Cameroun en 2008 et que cette modification de la constitution s'est faite dans un bain de sang. Moi, je me trouvais à Douala, j'ai vu comment les gens sont morts dans la rue parce qu'ils étaient sortis pour demander la modification de la constitution qui a été réprimée dans un bain de sang. Et on a modifié la constitution. Donc, on a modifié la constitution. Les investisseurs se sont dit, bon, voilà, c'est un pays où la loi fondamentale est écrite au crayon. On peut la gommer à tout moment et remplacer par autre chose. On a vu le processus électoral, on a vu comment l'autre est passé en force. Donc, les investisseurs ont tourné le dos à notre pays et notre pays s'est jeté. Donc, c'est pour dire que, techniquement, le Cameroun n'est pas crédible sur les marchés financiers internationaux, là où il y a l'argent. Parce que si on a un... Et c'est aussi un moyen de donner un plaidoyer aux gens, parce qu'on a beaucoup de personnes dans nos médias qui sont des personnes passionnées, parce qu'ils profitent du système, peut-être parce qu'ils ont un poste, parce qu'ils ont un marché, parce qu'ils ont ceci. Donc, ils vont dans la télé dire n'importe quoi. C'est l'occasion aussi pour eux de leur dire que jamais... à grand jamais, le Cameroun ne se développera s'il ne se démocratise pas. Démocratiser, ça veut dire une alternance, une constitution, un processus électoral transparent, une visibilité, etc., le respect des libertés publiques. Si nous voulons nous développer, nous devons passer par là. Alors, il y avait à l'époque, les gens sur Afrique Média, les Mandakani, ils avaient dit non, on n'a pas besoin de l'Occident, voyons, on peut aller en Chine. Bon, eux-mêmes, ils voient aujourd'hui que les tableaux de jeunes Afrique nous montrent qu'on est bloqué, la Chine ne peut plus nous donner l'argent. On est coincé, on est en train de retourner à la Banque mondiale. Donc, c'est pour que les gens commencent à prendre conscience que quand on dit qu'il faut la démocratie dans notre pays, c'est parce que c'est là où nous jouons notre survie. C'est parce que les Sénégalais l'ont déjà fait. Et parce qu'ils l'ont fait, ils sont en train de se développer. C'est parce que les Nigériens l'ont fait. Parce qu'ils l'ont fait, ils se développent. C'est parce que les Éthiopiens l'ont fait. C'est parce qu'ils l'ont fait, l'Éthiopie se développe. Parce que le Kenya l'a fait. Parce qu'ils l'ont fait, le Kenya se développe. Parce que le Maroc l'a fait. Même le roi Mohamed V, quand il est arrivé, il a fait des réformes politiques. Il a supprimé ce qu'on appelait le Marzen. Tous les Marocains savent. C'était l'aile des faucons, des durs, avec les Driss Basri, qui était à la cour royale. Il a écarté tous ces gens. Il a pris un opposant, Youssoufi, il a mis aux affaires et il a ouvert son pays à la démocratie. Ça a donc tout changé. Ça a tout changé. Ça a amené les capitaux, ça a amené les investissements. Donc, il est temps que nous ayons le courage. Je sais que quand on dit ça, on a les amis, les parents au pays. Je sais. Il y a une question fondamentale avant qu'on embrasse le prochain point que je dois poser, c'est de savoir, puisque ce qui vient d'arriver, il faut que vous compreniez exactement de quoi il est question aujourd'hui. Nous parlons du rapport entre le Cameroun et la dette. Ça veut dire la dette interne, la dette extérieure. C'est pas la même chose, mais nous parlons de cette thématique-là. Mais vous voyez que il est impossible aujourd'hui de parler d'un secteur camerounais sans toutefois parler de la mauvaise foi, de la malgérance et du népotisme qu'il y a en fait sur l'État camerounais. Donc, ce qu'on a pu discuter ici, on a d'abord défini ce que c'est que la dette, premièrement. Après la définition, on est revenu sur quelques éléments fondamentaux comme les eurobonds dont on a encore parlé tout au long de cet entretien. On a parlé de la dette intérieure, donc le rapport entre le Cameroun, l'État camerounais et les fonctionnaires et les entreprises qui ne sont pas fondamentalement étatiques, comme les écoles, les universités, para ou bien privées. On a parlé des rapports entre les bailleurs de fonds à l'intérieur et à l'international, des rapports de dette de bilatéraux, c'est-à-dire avec deux organes qui peuvent être étatiques, ou bien un État contre un particulier, une entreprise et internationale. On a parlé des rapports maintenant internationaux, ça veut dire à l'extérieur de l'État avec d'autres entités étatiques ou organisationnel. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce contexte, c'était l'importance de la dette, puisque notre invité spécial nous fait comprendre que la dette est importante. On a parlé du cas, par exemple, du Sénégal, qui a contracté une dette, mais cette dette n'a pas servi à construire des terrains, par exemple, qui vont faire 50 ans de construction. Ils ont pris de l'argent pour investir dans un secteur qui permettra de faire naître la croissance, donc de donner des travaux aux gens et de permettre donc, de valoriser la dette pour qu'elle soit non seulement épongée, mais qu'elle donne du travail pendant un certain nombre de temps. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce qui a été dit en substance jusqu'ici. Il y a eu beaucoup d'autres choses que je n'ai pas pu retenir dans le flux de l'action. C'est important que vous reteniez cette ligne-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire déjà avant qu'on ne passe à la prochaine question, monsieur Élisée? Non, je suis là. Tu peux, les téléspectateurs, pour poser autant de questions qu'ils veulent. Je suis là. Voilà. Donc, pour vous qui êtes connectés, n'hésitez pas à poser des questions. C'est en commentaire. Vous écrivez vos questions. Formulez-les de façon que je puisse les lire rapidement parce que je dois en même temps
Pensez avec Élisée, lis vos commentaires et vois les retours. Donc, formulez les questions simples. On va essayer de les rapporter auprès de notre invité spécial qui se fera un plaisir de les répondre. Alors, on a dit tout à l'heure avec toi, Élisée, que la dette est fondamentale pour le pays, elle est importante. On a dit qu'un pays en dictature comme le Cameroun ne peut pas permettre dans l'émergence. C'est pour ça que les bailleurs de fonds internationaux ne trouvent pas le Cameroun attirant. Alors, est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que c'est la malgouvernance comme la corruption, par exemple, est-ce que ce n'est pas un des fondamentaux même du fait que les bailleurs de fonds internationaux ne veulent non pas seulement investir au Cameroun, mais ne veulent même pas traiter dans le Cameroun? Parce que je parle ici d'un secteur comme le tourisme. Il n'y a plus d'investissement dans le tourisme. Est-ce que c'est le Ouais. manque de politique économique Si du tu peux, Cameroun tu qui remets encore le tableau de tout à l'heure, je vais montrer quelque chose au Cameroun. a... Ok, tout à l'heure. Le temps que tu parles, je vais faire les D'accord, je vais réglages. en... D'accord, je vais leur remonter quelque chose. Dans l'investissement, c'est qu'un pays doit pouvoir attirer ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Et je vais expliquer aux Camerounais pour qu'ils comprennent bien et pour qu'ils comprennent, voilà, le tableau est là, super. Donc, on a toujours le Cameroun, on a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal. Bon. Quand on regarde les trois tableaux là, les prêts qu'il y a en bleu là, c'est la France. En bleu, c'est la France. Oui, en bleu là, voilà, c'est la France. C'est la France. Donc, on voit ce que la France a donné au Cameroun, on voit ce que la France a donné en Côte d'Ivoire, aussi ici, là, voilà, on voit ce que la France a donné à la Côte d'Ivoire, en bleu aussi, et on voit ce que la France a donné au Sénégal, en bleu aussi, petit. Voilà. Quand on regarde ça, on va voir, ah, on a l'impression, c'est qu'on dit, ah, la dette de la France en Côte d'Ivoire était un peu plus importante qu'au Cameroun, a été plus importante qu'au Sénégal. Sauf que lorsqu'on s'en va regarder, le montant, le flux d'argent que les Français ont investi dans un pays comme le Sénégal, c'est 20 fois ce que le petit bleu là montre sur le tableau. Pourtant, ça n'apparaît pas dans la dette. Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi. Quand on regarde aussi en Côte d'Ivoire, le montant d'argent que les Français ont injecté, c'est 5 à 6 fois ce que le bleu qu'on voit sur le tableau des Ivoiriens. C'est presque comme le montant de toute la dette du Cameroun. Et le montant que les Français ont investi au Cameroun, ce n'est qu'au Cameroun, c'est tout le montant qui est là, 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 là. Ça veut dire que la France a injecté 20 fois plus d'argent au Sénégal qu'elle l'a injecté au Cameroun. Et elle a injecté à peu près 15 fois en Côte d'Ivoire qu'elle a injecté au Cameroun. Simplement, quand on regarde, il y a très peu de dettes en Côte d'Ivoire, il y a très peu de dettes au Sénégal. Pourquoi? Parce que les Français ont utilisé ce qu'on appelle les bulk operate transfer ou les PPP. J'explique ce que c'est. Les bulk operate transfer, c'est que une entreprise française comme Bouygues, par exemple, arrive en Côte d'Ivoire, dit, je vais faire le troisième pont. Ce qu'on appelle le pont Bédier, je crois, c'est le troisième pont. Elle fait un pont à péage, par exemple, sur le Voury. Au Cameroun, la ville de Douala, par exemple, a un problème d'embouteillage. Logiquement, on devait avoir une voie de contournement à trois voies. C'est-à-dire qu'il contourne ce qu'on appelle une voie rapide, une rocade. Quand vous allez à Dakar, vous allez voir la voie rapide. On devait avoir déjà une voie de contournement dans les villes comme Douala et Yaoundé, qui permettent que si vous ne voulez pas perdre le temps en centre-ville, vous sortez, vous prenez une voie de contournement, ça vous permet d'aller très vite. C'est trois sens, dans un sens comme dans l'autre. Et la voie de contournement devait être avec un pont sur la Dibamba et un grand pont sur le Voury. Une entreprise privée, par exemple, si c'est Bouygues, peut arriver et dire, bon, ça va coûter 1 000 milliards, voilà. Moi, je vais mettre 1 000 milliards, je vais réaliser l'infrastructure et l'infrastructure, je vais mettre un péage qui est censé me rapporter 100 milliards de francs par an et le péage, je vais le mettre pendant 20 ans. 20 ans, je vais récupérer d'abord mes 1 000 milliards et en plus, je vais payer les intérêts, 500 sur ma dette qui est peut-être de 400 milliards, ça va faire 1 400 milliards et il va rester 600 milliards. Les 600 milliards, je prends
200 milliards pour payer les impôts au Cameroun, 400 milliards, je rémunère les actionnaires, 100 milliards, 300 milliards, je rémunère mes actionnaires, 100 milliards, je donne certains, ce qu'on appelle certains droits d'entrée ou de sortie à l'État. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, ça s'appelle un bull opéré transfert. L'autre possibilité, c'est de faire un PPP. Ça veut dire que l'État s'associe à ce moment, peut-être l'État met 50% de l'argent. S'il faut 1 000 milliards, l'État dit, ah oui, bon, dans les 1 000 milliards, je vais mettre 50, tu mets 50. Et comme ça, les profits, on les partage moitié-moitié. Dans les 300 milliards, tu me donnes 150, tu prends 150. Bon. Là, à ce moment, ce sera même mieux parce que l'État peut même dire, je prends en charge les intérêts débiteurs. Et au lieu de 20 ans, la concession est sur 15 ans. Quand on regarde la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils ont énormément attiré les capitaux chinois et français. C'est très important. Les Chinois sont très peu dans le tableau là en rouge, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en termes de dette, mais pas en termes d'investissement. En termes d'investissement, la Chine elle a beaucoup investi en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Sauf que la Chine a investi en bull opéré transfert et en partenariat public-privé. C'est pour ça que le montant des capitaux chinois qui est arrivé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est 50 fois ce qui est arrivé au Cameroun. Et en Côte d'Ivoire, c'est peut-être 30 fois ce qui est arrivé au Cameroun. Simplement, ils ont amené les capitaux en PPP. Et en ce moment, ça compte comme étant des investissements directs étrangers. Et ça ne compte plus comme étant de la dette. Voilà. Ça crée un effet levier sur l'économie, ça crée un effet multiplicateur sur l'économie et ça ne compte pas comme étant de la dette. C'est une seule raison. Quand vous voyez le climat, je ne veux pas dire que c'est corruption zéro, mais quand vous voyez quand même dans les pays comme le Sénégal, il y a quand même un minimum de transparence. L'Assemblée nationale au Sénégal peut bloquer un projet. Quand vous voyez dans les pays comme le Nigeria, vous voyez comment les sénateurs, les députés questionnent un ministre. Pose des questions sur le transport. Il lui pose des questions sérieuses. Quand vous voyez le Parlement sud-africain, vous voyez comment on questionne un ministre sur un truc. Déjà qu'il faut qu'il passe l'audition de la Chambre du commerce avant d'arriver même plus haut. Il y a même, on le questionne vraiment sur des dossiers avec des questions chocs. On le menace même de créer des commissions pour aller enquêter dessus. Parfois même les commissions vont enquêter avant qu'on lui donne le feu vert. Ce n'est pas le palais présidentiel qui donne le feu vert sur un projet, c'est le Parlement. Alors, quand vous regardez chez nous, le président est capable de signer un accord de prêt avec un pays sans même consulter le Parlement. Ça veut dire que les institutions ne fonctionnent pas. Le Parlement n'est même plus une chambre d'enregistrement. L'exécutif peut se passer du Parlement. Donc, je dis ça, ce n'est pas pour attaquer les gens. Je dis ça parce que quand les investisseurs voient ça dans un pays, ils ne peuvent pas s'aventurer pour mettre leur argent en PPP. Parce qu'il dit, si jamais il y a un problème, nous, on fait comment? Deuxièmement, il y a le cadre juridique. Dans tous les pays, ça n'existe plus un pays aujourd'hui qui peut attirer les capitaux sans utiliser la common law. Parce que la common law, on n'a pas le temps à perdre. Parce que, j'explique bien, le droit civil romain, quand il y a un problème, Stevie et moi, nous entendons, nous mettons un contrat, nous mettons par écrit un contrat pour faire les affaires. S'il y a un problème, on va au tribunal et le juge commence à dire, que dit la loi? Alors, il peut tout faire. Il peut faire le dilatoire, il peut faire etc., etc. Dans le cadre de la common law, on dit, que dit le contrat que nous, et toi et moi, nous avons écrit? Quelqu'un peut commencer à dire, c'est-à-dire qu'il signe bien un contrat en disant, bon, donne-moi 1000 francs, je vais te rembourser 1100 francs. Maintenant, quand on arrive, dit, ah non, la loi dit que, donc, comment faire le dilatoire, etc., etc. Les investisseurs ne peuvent pas venir dans un cadre comme ça. Alors qu'avec la common law, on dit, que dit le contrat? Soit on recourt à l'arbitrage, soit on va devant un tribunal et le juge applique. C'est pour ça que ici là, les procès ne traînent pas. Une semaine, on a liquidé, c'est terminé. Parce qu'on regarde le contrat. Donc, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, dans les pays comme le Sénégal, dans les pays comme l'Éthiopie, le Kenya, c'est des pays qui ont cette tradition, déjà l'Éthiopie, de la common law. Et les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ont pris l'habitude de pouvoir négocier et enforce, comme on dit, leur contrat auprès des institutions internationales. Ça permet de rassurer les investisseurs. Voilà. Or, on n'a pas ça chez nous. On a les institutions qui ne fonctionnent pas bien. On a les détournements qui ne sont pas punis. On a la corruption. Je ne te passe pas cette histoire de 30%.
Je vais même C'est pas le en cas parler. maintenant, par exemple, anglophone qui voulait appliquer la Common Law, par La exemple. Common Law, voilà, c'est pour ça que ici aux 2016, États-Unis, on a vu comment le voilà. gouvernement s'est opposé en 2016 quand il a fallu parler de la Common Law au Cameroun. Je suis tout à fait, C'est je pour ça comprends. qu'ici aux États-Unis, les gens ne comprennent pas. C'est que les décideurs américains, vous voyez régulièrement l'American Bar Association avec Doris Toyou, qui est avocat au barreau de New York, qui fait régulièrement des hearings pour dire, mais on ne comprend pas ces gens. C'est-à-dire que là, le truc qui permet que l'argent vienne dans un pays, on tue des gens parce qu'ils demandent ça. Donc, on ne comprend pas, on ne comprend pas. C'est pour ça que vraiment, les débats sur les plateaux télé, moi, excuse-moi, je sais que tu es journaliste et je ne veux pas froisser tes confrères, je ne les regarde pratiquement plus parce qu'on se Ils le font demande, bien what are eux-mêmes, they talking hein? Ils le about? font bien eux-mêmes déjà. De quoi est-ce qu'ils parlent? Mais de quoi est-ce qu'ils parlent? On voit des gens venir sur les plateaux de télé dire des choses. Excusez-moi, nous vivons dans un monde. Et quand ils disent ça, c'est grave parce que la terre entière les regarde. Bon, les dirigeants camerounais sont un peu plus malins. Eux, ils ne le disent pas. Ils envoient les gens le dire. Parce qu'ils savent que s'ils le disent, là, ça commence à devenir intéressant, inquiétant au plan international. Mais comment peut-on tuer des gens? Je vous dis, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui ont la tradition du droit civil romain, ont fait des efforts de mettre à côté un système qui leur permet d'enforcer tous les contrats qu'ils font avec les firmes internationales. Par exemple, si vous voulez faire avec Exim Bank un contrat pour un BOT, jamais ils ne viendront signer ça au Cameroun avec le droit romain. Jamais! J'utilise bien le mot jamais. Ils vont vous Je dire vais bon. pour ceux qui sont connus, pour ceux qui viennent d'arriver, hein. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que nous parlons toujours de la question économique au Cameroun. Nous mettons aujourd'hui un focus sur la dette, la question de la dette, et on a essayé de définir la dette pour revenir à quelques notions. Actuellement, on voit le rapport entre le système judiciaire, juridique, si vous voulez, et l'épanouissement d'un État sur le plan économique, parlant toujours de la dette. Donc, les bailleurs de fonds ne financent pas dans les pays où il n'y a pas une certaine stabilité, où il n'y a pas de droit. Et parlant donc de droit, on a divisé le droit en deux catégories distinctes. Il y avait ce qu'on appelle la common law, qui est une forme de loi beaucoup plus utilisée, une forme juridique beaucoup plus utilisée dans les pays anglo-saxons qui parlent anglais, vous voyez. Mais les pays aujourd'hui qui veulent ouvrir leur marché se voient en train d'utiliser ça. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, comme il a été dit. C'est le cas de, je ne sais pas si le Sénégal applique déjà ça aussi. Sénégal. Voilà, le Sénégal et d'autres pays qui ne parlent pas fondamentalement français, mais ils sont dans une forme initiatique dans ce domaine-là. Et le Cameroun, en 2016, on a eu ça d'important que une organisation corporatiste, comme on le dit, des avocats de la partie anglophone, voulait donc effectivement que la Common Law qu'elle entre en vigueur au Cameroun et que cela permette donc plus seulement de faire ce qu'on appelle de faire le droit comme on fait chez nous, les francophones, c'est-à-dire prendre compte des éléments écrits, mais parfois en les déformant parce qu'on est les réciteurs, mais on n'est pas des applicateurs, des appliqueurs, voilà ce que je voulais dire. Par contre, dans la Common Law, il y a une seule chose qui fait foi, c'est le contrat qui a été mis au préalable. Donc, partant de là, ça fait que dans des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne même où je me trouve, les procès ne mettent pas long. Pourquoi? Parce qu'on se pose par question de savoir qu'est-ce que la loi dit. On pose la question de savoir qu'est-ce que votre contrat dit. Et une fois qu'on sait ce que votre contrat dit, on peut donc régler un problème. Ça fait que les entreprises naissent chaque jour. Et quand elles ont des problèmes, elles trouvent vite des solutions à leurs problèmes. Et la vie économique d'un pays est bien menée. Donc, voilà un résumé que je peux faire comme ça jusqu'ici. Maintenant, j'ai une question à poser avant qu'on embrasse le prochain point. C'est, puisqu'on parle du service, donc de la dette du Cameroun, il y a une question qui m'intéresserait, c'est de savoir, puisque le service de la dette du Cameroun est en train de couler comme ça, est-ce que ça ne va pas impacter le Cameroun, la vie du Cameroun dans le futur? Évidemment que oui. Évidemment que oui. À Parce qu'il y quel a une point? chose, j'entends souvent des choses incroyables sur les plateaux de télévision. J'entends souvent les gens dire, oh, d'ailleurs, j'ai vu une haute responsable d'un ministère qui est venue sur mon mur, elle a dit, ouais, il faut arrêter d'enfumer les Camerounais. La Banque mondiale a dit que la dette extérieure du Cameroun, c'est seulement 38% du PIB. Et elle était très contente en disant, on est peu endetté. J'étais un peu mal. Faut expliquer les choses simplement pour que les Camerounais puissent comprendre. Le produit intérieur brut, c'est la somme des richesses que produisent les agents nationaux et camerounais sur le territoire camerounais. Ça veut dire que pour calculer le produit intérieur brut, on prend la production de brasserie du Cameroun, de UCB, de Mayor,
pasta, de toutes ces histoires-là, des agents de publicité, des producteurs de cacao, de café, de bois, etc. On additionne tout ça, ça donne le produit intérieur brut. Mais le produit intérieur brut n'appartient pas à l'État. Ce n'est pas la propriété de l'État. Surtout dans une économie libérale. Peut-être dans l'État stalinien, mais dans une économie libérale. Là, tu sais, excuse-moi, tu sais, tu sais aujourd'hui, je prends le temps parfois de parler avec ceux qui me suivent. Et je sais que parmi eux, la question financière dérange beaucoup de personnes. Donc, quand tu parles quand tu évoques l'aspect libéral, là, il y a beaucoup qui ne comprendront pas. Permets-moi de faire juste un petit pied de page là pour expliquer. En fait, quand on parle de libéralisme ici, il faut comprendre, c'est une forme de gestion économique. Et le libéralisme est très important. Pourquoi? Parce que, comme ça se dit, libéralisme, liberté, une forme d'ouverture du marché. Ça veut dire que ce n'est plus l'État aujourd'hui, dans cette forme d'État qui contrôle tout, mais les entreprises et les citoyens, à travers leur façon de gérer, ont aussi maintenant une certaine marge de liberté. Maintenant, l'État peut jouer le rôle de régulateur. Donc, il vient un peu assister pour mettre quelques éléments ça et là, pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle en économie la concurrence déloyale. Donc, c'est important que je vous dise pour que vous compreniez en quelque sorte ce qui est dit parce que c'est un peu élevé. Donc, ok, je vous donne la parole. Ok, donc, c'est que dans une économie libérale, comme tu as bien expliqué, le produit intérieur brut n'appartient pas à l'État. Dans une économie communiste comme au temps de Staline, bon, on disait la collectivité des moyens de production. Je ne sais pas, on disait ça comme ça. Ça veut dire que, bon, tout ce que tu produis, même le maïs que tu produis devant ta porte, ça appartient à l'État. Donc, c'est l'État qui possède tout. Mais dans une économie libérale, ce que je produis, ça n'appartient pas à l'État. Donc, le PIB n'appartient pas à l'État. Le PIB ne sont pas les moyens de l'État. Le PIB sont les moyens des agents privés. Donc, on ne peut pas indexer la faculté pour l'État de rembourser le dette sur le PIB. Pas du tout. Ce qui appartient à l'État, c'est les recettes fiscales et les redevances que l'État perçoit, par exemple, sur l'exploitation des matières premières. Ça veut dire les recettes fiscales, c'est la douane. Quand vous importez, vous payez la douane. Et encore que là, il y a des choses que le prochain président dans notre pays doit nous sortir rapidement la fiscalité de port. Parce que dans 20, 30 ans, il sera impossible aujourd'hui de pouvoir faire du commerce dans le monde si vous mettez des droits de douane dans votre port. Il va falloir réduire ça. Bon, il y a d'abord les droits de douane, c'est tout ce qui entre dans notre pays. Ensuite, il y a, je dis ça parce qu'il y aura le marché commun africain qui va venir, on pourra en parler. Il y a les droits de douane, il y a les impôts, c'est-à-dire que vous êtes une personne physique, vous êtes une entreprise, vous payez des impôts. Il y a les prélèvements indirects. Ça veut dire que quand vous allez payer votre carburant, vous payez des impôts, même sans le savoir. Quand vous mettez le litre à la pompe, quand vous buvez une bouteille de bière, vous versez des impôts à l'État. L'État prélève, il y a certains biens, comme on dit, un panier de biens que l'État cible. La bière, quand vous buvez une bouteille de bière, vous payez à 700 francs, 300 francs vont dans les caisses d'État. Quand vous payez le carburant, 600 francs la pompe, 400 francs dans les caisses d'État. Quand vous faites consommer les crédits de communication, l'État prélève là-dessus. Donc, l'État est bien gagné de biens comme ça sur lesquels il prélève énormément les populations. Ensuite, il y a les droits d'enregistrement. C'est que vous avez un terrain, vous voulez construire, etc. Il faut enregistrer tout un certain nombre de papiers. Et tout ça, c'est des recettes fiscales pour l'État. Il y a des redevances. Quand l'État dit à quelqu'un, bon, je te donne le bloc temps dans le Rio del Rey, tu vas pouvoir exploiter le pétrole, je vais prendre 20% sur tout ce que tu pompes comme baril de pétrole, c'est des ressources pour l'État. Toutes ces ressources, on les appelle des ressources budgétaires. C'est dans la comptabilité nationale, c'est dans la loi des finances du Cameroun. Et quand on regarde la loi des finances du Cameroun, ces recettes-là, c'est 4 500 milliards. 4 500 milliards. Et vous avez 500 milliards de prêts que le Cameroun fait pour arrondir ça à 5 000 milliards. Ça, c'est le budget prévisionnel. Encore, on voit qu'avec le COVID, là, ça ne sera pas atteint. Donc, on est à 5 000 milliards. Mais 4 500 milliards, c'est les recettes que l'État prend de la douane, de cette histoire. 4 500 milliards. 4 500 milliards, vous avez vous-même vu les chiffres. Nous sommes à 1 200 milliards. Ça veut dire que ça, c'est le salaire de l'État, si on peut dire. C'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État.
C'est avec ça que l'État doit se débrouiller pour tenir le pays debout. Vous avez vu l'argent qui entre dans les caisses. Vous avez vu l'argent qui doit sortir pour payer la dette extérieure. 1200 milliards. 1200 milliards, ajoutez-y les intérêts. Sur 1200 milliards, on a à peu près à 150 milliards d'intérêts. Donc, on a à 1350 milliards. Maintenant, il y a les assurances pour l'échange. Ça veut dire que si le dollar fluctue, parce que quand on fait les contrats de prêt, là, on met des contrats d'assurance. Ou si le dollar fluctue, on se couvre contre les fluctuations à la hausse ou à la baisse du dollar, des choses comme ça. Tout ça vous amène pratiquement à 1500 milliards pour la dette extérieure. 1500 milliards. C'est pratiquement un tiers des recettes budgétaires de l'État. Un tiers. Si vous ajoutez la dette intérieure et les arriérés dus et non payés par l'État titrisés sur la dette intérieure, c'est la même chose que la dette extérieure. Ça veut dire globalement qu'environ 60% des recettes de notre pays devraient être consacrées au service de la dette. Ça veut dire que si nous empochons 4500 milliards, techniquement, sur un plan, si on veut dire terre à terre, l'État doit mettre 3000 milliards pour payer tous les gens, pour qu'ils soient contents. Donc, ça veut dire que l'État ne pourra pas payer. Et si l'État ne peut pas payer les entreprises, elles ne vont pas livrer de nouveaux contrats à l'État en lui payant à crédit. Ça veut dire que s'ils ne payent pas les bailleurs de fonds, comme c'est le cas envers la Chine maintenant, qu'on a du mal à payer, eux aussi ne vont pas continuer à nous donner des prêts ou les États-Unis, etc. Techniquement, ça veut dire que l'État du Cameroun n'aura pas les moyens. Et si l'État devait payer la dette extérieure et la dette intérieure, même à 2500 milliards, il lui manquerait 2000 milliards pour faire fonctionner l'État. Or, toutes les études macroéconomiques faites par la Banque mondiale, faites par les institutions sérieuses, montre que pour que l'État du Cameroun ait les moyens, en écartant la dette, ait les moyens de faire fonctionner l'État, d'investir, il faut au moins 8 000 milliards de ressources budgétaires. Ça veut dire que l'État aurait 25% des ressources dont il a besoin pour travailler. À partir 25. De ce moment, voilà, 25% seulement, oui. Tout ce qui va lui rester. C'est-à-dire que s'il commence à payer, il a dit, bon, voilà, vraiment, pour que je ne sois pas étranglé là, il faut que je paye la Banque mondiale, il faut que je paye le FMI. Il faut payer la Chine, il faut que je paye la France, l'Amérique, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Allemagne, etc. Il faut que je paye tous les prestataires à l'intérieur, que je rembourse les banques commerciales. Parce que si les banques commerciales prennent les dépôts des gens, travaillent pour l'État et l'État ne les paye pas, les gens vont venir demander ces dépôts, les banques commerciales n'auront pas ces dépôts, etc., etc. Donc, ça fait que techniquement, l'État du Cameroun a besoin d'aller jusqu'à 8 000 milliards. C'est pour ça qu'ils ont relevé les impôts, créé de nouveaux impôts. On est arrivé jusqu'à 4 700. Ça faisait même partie des questions que j'aurais bien aimé te soumettre. L'État camerounais a dû refaire un saut là-dessus vite fait pour redresser le navire. Il s'agit de la taxe qui est sortie dernièrement, qui est sortie comme un épouvantail. Il s'agit de la taxe sur les téléphones portables qu'on a vite fait de faire repartir. J'ai vu beaucoup d'économistes, beaucoup d'experts dans le domaine qui avaient un bilan catastrophique. Je ne sais pas quel est ton point de vue sur ça, parce qu'à l'époque, je sais que tu étais un peu très particulier. Ce n'est pas bon parce que c'est un prélèvement direct dans la poche des Camerounais. Ça diminue le pouvoir d'achat des Camerounais. Ça fait que si ça diminue le pouvoir d'achat des Camerounais, ça fait que les Camerounais ne peuvent plus consommer. Si les Camerounais ne peuvent plus consommer, ça veut dire que l'État n'a plus les moyens de sa politique. Deuxièmement, comme je l'ai dit, les supports, là, les tablettes, les portables, sont les supports sur lesquels on développe l'économie numérique aujourd'hui. Ce n'est pas des outils. Hein. Un téléphone portable, c'est, comme on peut dire, un camion. C'est sur un camion qu'on transporte les marchandises. C'est sur un téléphone portable qu'on crée des contenus dans l'économie numérique, que ce soit l'éducation, que ce soit la publicité, que ce soit l'information, etc. Ce que l'État aurait gagné à faire, c'était de créer, de développer ce pan de l'économie, mettre les moyens et puis créer une fiscalité maintenant sur les activités dont le support, ce sont les tablettes et les téléphones portables. Et non pas de taxer les supports de travail. C'est comme si vous venez vous dites, je vais encourager la construction, mais je taxe l'eau, je taxe le ciment, je taxe... Vous encouragez les gens à investir et puis derrière, vous dites, bon, voilà, je prends un pourcentage sur les loyers. Parce que vous avez d'abord généré l'investissement. Mais s'il n'y a pas, vous taxez déjà l'outil qui permet d'investir. Il reste quoi? Comment on fait pour investir?
Donc, c'est ça. Donc, en fait, on s'aperçoit que l'État est dans cette situation parce qu'il y a le feu. Techniquement, il ne reste plus que 2 000 milliards. Ça veut dire que l'État a deux choix aujourd'hui. Soit il ne paye pas sa dette, et là, les bailleurs de fonds, intérieurs ou extérieurs, ne vont plus prêter de l'argent. Soit il paye sa dette et il ne restera pratiquement plus rien pour faire fonctionner l'État et pour investir dans le pays. Ok, je vois, je comprends, c'est plus clair maintenant. Mais le Cameroun, il y a quelque temps, a dû refinancer, comment dire, a dû refinancer en quelque sorte l'achat de l'Eurobond par le FMI, du côté du FMI. Comment on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que nous, on peut penser de ça, nous qui ne sommes pas habitués à la finance, qui nous intéressons quand même au destin économique du Cameroun? Comment est-ce qu'on peut voir ça? C'est important que j'explique ce que c'est qu'un eurobond. J'ai important que j'explique ce que c'est qu'un eurobond. J'explique ce que c'est qu'un eurobond et j'explique aussi le refinancement. Et si tu me donnes un peu de temps, je vais expliquer ça parce que c'est important que les Camerounais comprennent ça. Prenons même déjà des particuliers. Ceux qui vivent en Europe et aux États-Unis peuvent vite comprendre ça. Quand vous commencez à travailler, ok, vous êtes sorti, vous êtes un jeune diplômé, vous commencez à travailler, on vous donne 200 000 euros. Par exemple, on dit, ah, salaire débutant, 200 000 dollars. On vous donne ça, 200 000 dollars. Vous dites, bon, voilà, je veux la maison. Vous regardez la maison, on dit, ah, ça fait 400 000 dollars. Bon. Vous mettez 50 000 dollars, on dit, reste 350 000 dollars. Vous allez payer ça par tranche, donc vous avez déjà un crédit de 350 000 dollars. Vous avez pris un crédit pour aller à l'école, on dit, bon, c'est 200 000 dollars. Vous avez peut-être, en travaillant, vous avez remboursé peut-être 50 000, on dit, reste 150 000 dollars. Donc, ça fait 150 000 dollars. 150 000 plus 350 000, vous avez déjà 500 000 dollars. Bon, vous avez pris deux véhicules, 25 000, ça fait 50 000 dollars. On ne vous a rien demandé, mais vous devez payer ça, ça fait 50 000, 550 000. Vous avez les cartes de crédit à 50 000 dollars. Bon, les cartes de crédit, ça fait 600 000 dollars, par exemple, disons de dette. Chaque dette a son taux. Chaque dette a son taux. La carte de crédit, par exemple, c'est 22% par an. Le prêt étudiant, c'est 3%. Le mortgage pour le logement, c'est 2,5%. Le véhicule, par exemple, c'est 6%, etc., etc. Chaque dette a son taux et chaque dette a ses conditions. C'est vous qui gérez ça tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Supposons que vous travaillez 5 ans et puis, hop, vous avez une situation qui fait que, bon, voilà, ou peut-être il y a une crise économique comme le corona maintenant. Votre entreprise ferme. Et donc, vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez plus faire face au règlement de votre dette. Ça va affecter votre solvabilité, qu'on appelle le crédit score, ce qu'on appelle le crédit score. C'est-à-dire que là où on note votre aptitude à pouvoir payer vos dettes, ça va l'affecter. Bon, le moyen pour que ça ne l'affecte pas, c'est deux choses. Parce que si ça l'affecte, par exemple, on dit, bon, voilà, il ne peut plus payer, il est vraiment à l'arrêt, vos débiteurs ne reçoivent plus d'argent. On va dire qu'il est default. C'est-à-dire qu'il est default, ça veut dire qu'il n'est pas capable de payer. À Est partir de ce déficitaire. moment, on saisit la voiture, on saisit la maison, on vous envoie les frais de notre, les frais, machin, on les mise au débet de payer. Généralement, pour éviter ça dans une économie moderne, vous contactez une grande banque, c'est les grandes banques comme les Bank of America, les Deutsche Bank, c'est leur travail. C'est ce qu'elles font en fin de compte. Parce que même quand au Cameroun, on dit Citibank, je pose souvent la question à des grands hommes d'affaires camerounais. Bon, dans un autre cadre, dans des conversations Zoom privées, je leur dis, écoutez, combien de guichets la Citibank au Cameroun? Ils me disent deux. Et je dis, bah, vous pensez qu'ils font quoi? Ils font du refinancement, hein, pour les grandes entreprises d'État ou bien pour l'État du Cameroun même. Bon. Maintenant, on fait ce qu'on appelle du refinancement. Ça veut dire que les grandes banques viennent dire, bon, OK, vous avez une situation, ce n'est pas grave, c'est une situation passagère, votre entreprise a fermé. Peut-être qu'il va vous falloir 3 à 6 mois pour retrouver un autre travail de bonne qualité. Ce n'est pas un problème. Elle prend tous vos crédits. Elle les regroupe tous. Il y a une technique, j'en parle trop dans les détails, qu'on appelle weighted average, qui permet de calculer les crédits, bon, selon certaines informations, ce qu'on donne ici le National Credit Bureau. Donc, on calcule, on fusionne toutes ces dettes-là et on sort un seul montant. Et ce montant-là, on vous dit, bon, maintenant, vous allez payer en fonction d'un taux. Par exemple, s'il y avait plusieurs, on va vous dire, bon, voilà, on a le taux médian, le taux, comment on dit, weighted. C'est-à-dire que vraiment,
le taux, c'est-à-dire que la... Le taux moyen, la moyenne, quoi. Voilà, qui prend en compte tous les types de prêts, c'est ça qu'on appelle weighted et average, c'est-à-dire que la moyenne, c'est-à-dire que ce taux-là, il est peut-être de 12% par an, ça veut dire 1% par mois. Ça veut dire que si vous deviez 600 000, 1%, techniquement, ça fait par exemple, bon, on peut dire, bon, on va même mettre ça à 0,5 par mois. Vous devez payer 3 000 francs d'intérêt et le reste que vous allez donner, ça permet de rembourser le principal. On va dire ça comme ça. Bon. Donc, on va donc calculer comme ça et puis on vous sort un montant. Et là, vous commencez à payer. Vous commencez à payer tous les mois, généralement. Et on peut même faire ça de manière flottante. Ça veut dire que si, bon, disons ça comme ça, il y a ce qu'ils appellent fixed rate, floating rate. J'explique ça comme ça. Pour revenir maintenant au Cameroun, l'eurobond, ça, il faut que les gens comprennent. Quand le gouvernement camerounais dit, ah, j'ai lancé un eurobond de 1 000 milliards à la bourse. D'abord, première chose, la maturité de cet eurobond, ce n'est pas tous au même moment. Ça veut dire que, et le taux. Ça veut dire que dans cet eurobond-là, de 750 millions que le gouvernement camerounais a conçu, il y a des gens qui viennent et disent, bon, moi, je suis prêt à vous donner 100 millions de dollars, mais seulement sur 5 ans. Donc, à maturité 5 ans, on va le rembourser. Il y en a qui viennent dire, bon, moi, je suis prêt à vous donner 200 millions de dollars, mais à maturité 10 ans. Il y en a qui viennent dire, bon, moi, je suis prêt à vous donner 25 millions de dollars, mais à maturité 8 ans. Donc, il y a différentes dates. C'est pour ça que dans la note de l'agence Fitch, elle précise bien que le gouvernement camerounais doit commencer à payer les eurobonds à partir de 2022 jusqu'à 2025. C'est un eurobond qu'il avait pris en 2015. Donc, il doit commencer. Donc, ça veut dire que sûrement là-dedans, il y a des gens qui ont prêté à l'État pour 8 ans. Il y en a qui ont prêté pour 9 ans. Il y en a qui ont prêté pour 10 ans. Et chacun prête à son taux aussi. Parce que celui qui dit, bon, voilà, moi, je te donne l'argent pour 5 ans, il va demander un taux plus faible. Celui qui dit, moi, je donne pour 10 ans, il va dire, bon, je prends plus de risques, donc je vais demander un taux plus élevé. Celui qui a prêté à 5 ans peut demander 5%. Celui qui a prêté à 10 ans peut demander 10%, etc., etc. par mois. Donc, les taux sont différents. Maintenant, quand les gens donnent ça, quand l'État du Cameroun maintenant dit, ah, compte tenu du COVID, comme a dit l'agent, la note de Fitch, oh, vraiment, compte tenu du COVID, mon économie a subi un revers. J'avais fait des prévisions budgétaires en pensant que le pétrole serait à 80 dollars, mais là, le pétrole est à 40 dollars, le baril 40-45, donc je ne pourrais pas avoir assez d'argent. Non, il y a d'autres facteurs que le gouvernement a évoqués en disant, bon, la crise dans le Nozo qui perdure a fait que les entreprises sont tombées. Au moment où je prêtais l'argent, j'avais ma raffinerie. La raffinerie me rapportait à peu près 100 milliards de recettes fiscales. Aujourd'hui, la raffinerie a disparu. Je dois plutôt dépenser. Donc, l'État a invoqué un certain nombre de paramètres. L'État s'adresse donc à ses créanciers en disant, voilà, compte tenu de ce qui précède, je ne pense pas être en mesure de vous payer à 2022-2027. Ça, l'État du Cameroun l'a clairement dit. C'est dans la note de Fitch. C'est pour ça que j'ai partagé ça, parce qu'il y avait une polémique qui naissait. J'ai dit non, la polémique, il faudrait que vous lisiez les notes de l'agence Fitch et vous allez voir que c'est écrit. Fitch n'invente pas, c'est le gouvernement camerounais qui le lui dit. À partir de ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une opération de refinancement. De refinancement, parce que comme j'ai expliqué dans le cadre d'un crédit d'un particulier, d'un ménage, le gouvernement camerounais va à la bourse, il va à la bourse, il va constater, pardon, ses créanciers, il dit à ses créanciers, vraiment, je pense qu'à ce moment-là, je ne pourrai pas payer. Et comme ses créanciers sont totalement tous des Américains, des grands fonds de pension américains, parce que c'est eux qui ont les capitaux à Londres, à Paris, ils ont des bureaux partout dans le monde, les grandes banques comme les Chase, ils ont des bureaux partout dans le monde. Partout dans le monde, sur les grandes places financières, c'est les Américains qui maîtrisent tout ça. Parce que le système law enforcement, c'est-à-dire que le droit pénal des affaires aux États-Unis est tellement répressif que, bon, les gens ne peuvent pas trop s'amuser. Donc, les gens ont confiance ici, ils confient leur argent à des grands fonds de pension américains. Donc, l'État américain a donc sollicité le FMI pour dire, bon, voilà, pour que ça ne crée pas. Bon, en finance, il y a ce qu'on appelle trois concepts. Financial distress. Bon, j'aurai l'occasion d'expliquer ça un autre jour, sinon ça va nous prendre trop de temps. Donc, ce qu'on appelle adverse selection et moral hazards.
J'aurai l'occasion d'expliquer ça une autre fois. Mais disons pour que ça ne crée pas de l'appréhension, de la panique, de les gens disent, ah, est-ce qu'il va payer, est-ce qu'il ne va pas payer? Et puis ça commence vraiment à mettre les gens sous les ménages. Il y avait la crise du COVID. L'État américain, qui est actionnaire du Fonds monétaire international, et ça, ça fait partie des missions du Fonds monétaire international, qui est à New York aux États-Unis, je précise. L'État américain, à travers le trésor américain, donc les créanciers là, une fois que le gouvernement Cameron les prévient par une note, moi j'ai la copie de cette note-là que le Premier ministre avait adressée à ses créanciers. Et ces créanciers donc vont aller prendre la copie de cette note et aller naturellement au ministère des Finances américain, ce qu'on appelle le Treasury Department, et dire, bon, voilà, on a une préoccupation, il y aura une réunion avec un conseiller. Et le Treasury Department dit, bon, ok, on va voir ce qu'on va faire. Donc, il va écrire au FMI en disant, FMI, bon, vraiment, il faudrait que vous refinancez la note de la dette du Cameroun. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le FMI va racheter cette dette. Le FMI va dire, bon, la dette là, c'est combien? 750 millions de dollars. Est-ce que le Cameroun paie régulièrement les intérêts? Oui. Parce que là, au moins, le Cameroun paie régulièrement les intérêts. Sinon, c'était default. Il dit maintenant, bon, moi, je rachète tous les 750 milliards et désormais, vous n'avez plus de... Le Cameroun disparaît dans vos livres. Le Cameroun n'est plus vos créanciers. Les États-Unis peuvent actionner le FMI puisqu'ils sont un des grands contributeurs dans le FMI. Donc, il dit, voilà, moi, le FMI, je rachète 750 milliards de dettes du Cameroun. Le FMI les rachète maintenant et détient cette dette. Maintenant, on va faire ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on appelle dans le jargon debt restructuring, mais il y a 1 million de manières de faire ça, mais on va faire ce qu'on appelle le refinancement. C'est la note du FMI qui le précise. Ça veut dire qu'on va maintenant fusionner tous ces prêts-là et calculer maintenant un montant unique, un taux unique, un montant des intérêts unique, et un taux de remboursement unique. Il n'aura plus celui-ci à donner à 5 ans, celui-ci à donner à 10 ans, celui-ci à donner à 8 ans, celui-ci à donner à 9 ans. Ce sera un seul montant. Maintenant, le FMI a la capacité de dire même au Camerounais, bon, au point l'État du Cameroun, bon, vraiment, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs là, sous la pression de la France, cette fois-ci, Macron est intervenu et le FMI a dit, bon, vraiment, on est prêt à vous donner 2 à 4 ans, vous allez donner seulement les intérêts et vous n'allez pas donner le principal. Ça vous permet de souffler un peu. Ça s'appelle une opération de refinancement. Mais si le FMI ne fait pas ça, les créanciers internationaux vont marquer le Cameroun comme étant default, ça veut dire incapable de payer sa dette. Et les obligations du Cameroun, les eurobonds, là, les bonds dont les obligations du Cameroun vont devenir ce qu'on appelle des junk bonds, ça veut dire des obligations qu'on ne peut pas payer. Et à partir de ce moment, très rapidement, il y a une note qui va être adressée à tous les fonds pensionnaires dans le monde pour dire voilà, Cameroun rouge. Surtout, ne plus faire de business avec. Et ça peut affecter même les banques qui sont installées au Cameroun, etc. Et ça peut créer une déflagration, hein, même dans la société, parce qu'à partir de ce moment, il n'y aura même plus l'argent pour financer les réserves en devises et rapidement la population. Ce qui est arrivé au Soudan. Parce la que banque centrale. La banque centrale n'avait plus de réserves. Mais les Américains voulaient la tête d'El Béchi. Et là, la population est sortie. El Béchi s'est retrouvé dans un... Bon, même si dans l'explication que tu as donnée, il y a une question qui est fondamentale, c'est de savoir, avec les conditions qu'on met maintenant autour de l'eurobond, est-ce que ça nous remet pas encore dans le contexte de ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel de l'époque? Évidemment, évidemment. Puisque là, on est encore dans un système qui sera contrôlé par les créanciers, en quelque sorte. Évidemment, parce que là, ce qui se passe, c'est que c'est désormais l'eurobond, désormais les créanciers qui sont les fonds de pension américains disparaissent. Les nouveaux créanciers arrivent, ce sont c'est le Fonds monétaire international et le Fonds international qui a racheté, restructuré cette dette-là en mettant un taux unique, un principal, etc., etc., qui détient cette dette. Le Fonds monétaire, évidemment, va dire au Cameroun, bon, la condition pour que je le fasse, d'abord, on voit bien que les États-Unis ont fait pression sur les agents de notation pour qu'ils relèvent la note du Cameroun. Cela permettait, c'est comme on peut dire, par exemple, si dans une matière, tu n'as pas B, tu ne passes pas la matière. Donc, en donnant la notation B, B plus au Cameroun, c'est pour permettre au Cameroun d'être éligible. Donc, on a un peu traficoté ça. On a donné au Cameroun la possibilité d'être éligible. Donc, une fois que le Cameroun est maintenant éligible, on lui donne maintenant la possibilité de refinancer. Mais la condition pour ce refinancement, c'est que le Fonds monétaire, qui est l'Institut de recouvrement, va mettre le Cameroun sous programme. On va lui dire, bon, voilà, tu vas... être sous programme, tu vas faire ci, tu vas faire ça,
tu ne peux faire ci, tu ne peux faire ça. Donc, c'est pour ça que tu as vu ma colère la dernière fois. J'ai dit parce que Haïti, Dieu ne nous a pas laissé dans cette situation. Paul Biya nous a mis dans cette situation une fois. Le programme PPTE nous a sorti de cette situation et il nous remet encore une deuxième fois dans cette situation-là. La suite, Franchement, parce que les je ne veux politiques pas vous attaquer, d'austérité. mais lui, c'est un père, c'est un grand-père. Il a des enfants, il a des petits-enfants. Qu'est-ce qu'il veut, je veux dire? Est-ce que c'est ça qu'il veut laisser à ses petits-enfants que nous sommes? C'est-à-dire qu'il nous fait démarrer une course de 100 mètres sur une jambe, on court sur une jambe. On ne va jamais gagner cette course. Donc, c'est un handicap pour nous, pour les générations futures. Il va falloir vraiment beaucoup travailler, travailler vraiment la sueur de notre front pour pouvoir venir à bout de cette situation-là. Et ça ne va pas être facile. Et ça, il faut qu'on commence à dire aux Camerounais parce que, hélas, ils boivent la bière dans les bars, ils font les fêtes, ils mettent les photos, ils collent les fesses, des choses comme ça. Mais ils ne savent pas à quelle soupe ils vont être mangés dans les décennies à venir. Mais il faut qu'on commence à leur dire, mais réveillez-vous parce que demain, là, quand ça va faire ham, il ne faut pas pleurer. Hein. Il faut se tenir debout et puis il ne faut pas pleurer. Parce qu'après, ils vont commencer à pleurer là. Non, ils ne vont pas pleurer. Ok, merci. Donc, pour tous ceux qui sont connectés, je vous dis encore bonsoir. Merci de rester connectés sur nos antennes. Vous êtes aujourd'hui en présence de quelqu'un des chiffres, des lettres. Il s'appelle Élisée Yonta qui nous parle aujourd'hui de la question économique du Cameroun, de la dette. Donc, on a parlé jusqu'ici de la dette interne et externe du Cameroun. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Nous sommes rendus à 22 heures d'Europe. Et du côté des États-Unis, je ne sais pas quel exactement il est du côté Il d'Élisée. est 16h. 16 heures. Donc, prêt à vaquer à ses activités. La question que je peux poser ici, alors, partant de tout ce qui a été dit jusqu'ici, puisqu'on va constater, vous et moi, qu'il y a donc les bonnes et les mauvaises dettes. Ça veut dire qu'il y a des pays qui utilisent bien les dettes, il y a des pays qui utilisent mal les dettes. Donc, je vais prendre le cas des pays qui ont été évoqués ici par notre invité spécial, le cas du Sénégal, le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, ces exemples-là qui ont utilisé une dette, mais de façon à construire le pays. On a parlé d'énormément d'états de terrain qui ont été utilisés du côté du Sénégal, réaménagés, reconstruits pour donner une seconde vie à l'État et permettre aussi de créer l'emploi. Ça, c'est une dette qui est positive. Par contre, dans le cas du Cameroun, je ne vais pas revenir sur le bilan en termes d'investissement. Quand on parlait de la CAN qui allait être organisée au Cameroun, vous voyez à quel niveau d'investissement on se situe. Donc, on a là des faits plausibles de bons et de mauvais investissements, de bonnes et de mauvaises dettes. Alors, comment est-ce que le Cameroun peut faire aujourd'hui en tant qu'économiste? Qu'est-ce que tu vois? Quelle est ta visée sur le plan en termes de conseils, de vision, de visibilité? Comment le Cameroun pourrait faire pour sortir et faire de bons choix, des choix stratégiques en termes de dettes? Plus simplement, comment le Cameroun peut faire pour avoir une dette constructive comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, Ah, mais comme tu ne d'autres peux pas dire pays? tout simplement, ce n'est pas simple cette histoire. Pourquoi tu dis La tout simplement? question. Ah, d'accord. Parce que là, c'est une question, c'est même. C'est-à-dire que d'abord, il faut changer le système politique. Rien ne se fera si on ne change pas le système politique dans notre pays. Rien ne se fera. On ne peut plus gouverner notre pays au siècle d'aujourd'hui. Quand on l'a gouverné avec une concentration à Yaoundé où jusqu'au même chef de quartier sont nommés par les décrets. C'est pas possible. C'est une question de bon sens. Je sais que quand je dis ça, moi j'ai des gens dans des familles dans le système, Tellement ils ne contradictoire dorment parce que le pas. projet c'est tellement contradictoire parce que le projet même du RDPC est basé sur une feuille de route qui s'appelle le libéralisme communautaire. Non, mais ce n'est pas le libéralisme communautaire que le RDPC a appliqué. C'est Ce n'est ça que pas je dis, ça. c'est une dichotomie totale. Non, non, ce n'est pas ça qu'ils ont appliqué. Nous devons sortir du schéma. C'est-à-dire que c'est une question. Bon, c'est vrai, il y a des gens sur les plateaux parce qu'ils ont des privilèges. Mais je veux dire, même jusqu'à ce qu'El Béchir tombe, il y avait des gens qui le soutenaient. Parce qu'ils mangeaient, parce qu'ils avaient un marché, parce qu'ils avaient un poste dans l'armée, parce qu'ils avaient. Mais globalement, c'est-à-dire c'est comme un pont qui s'effondre. Il y en a qui courent en disant oh, bon, il y en a qui, parce qu'ils prennent les péages sur le pont, restent au milieu du pont en disant non, il ne se passe rien jusqu'à ce que le pont tombe aveugle dans l'eau. C'est clair, c'est clair. C'est ça la situation dans notre pays. Je sais, j'ai des gens, oh, quand tu dis ça, il y en a, je connais qui sont malades. Je dis, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, nous ne pouvons pas nous taire. Parce que si c'était bien, on ne serait pas ici. C'est vrai qu'on est bien ici, mais on est bien que chez soi. Mais aujourd'hui, c'est chez nous ici. Mais je veux dire,
Il faut changer ce système politique. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage, que nous ayons le courage de continuer à le dire tous les jours. L'État du Cameroun, dans sa forme actuelle, aucun investisseur ne peut venir mettre son argent là-bas. Ouvrons nos yeux, regardons ce qui s'est passé. Regardons l'Indonésie. Mais il n'y a pas de dictature au Cameroun. Il y a une dictature de fer en Indonésie. Soit tôt, mais regardez l'Indonésie aujourd'hui. C'est une démocratie. Parce qu'à un moment, les gars ont compris que voilà, il y a la croissance démographique. Si vraiment on ne fait rien, un matin, il y aura, boum, ça va exploser. Pourquoi aujourd'hui, quand on dit au Cameroun, il faut sortir marcher, on militarise partout, on met des drones, on met des ceci. Parce qu'on sait très bien qu'il y a 90% des Camerounais qui n'ont pas de travail et qui sont mécontents et qui n'ont pas de perspective d'avenir, qui ne savent même pas comment ils vont faire, qui sont dans les zones rurales, qui ne savent même pas, qui n'ont même pas des sandalettes et des slips, qui sont dans les zones urbaines, qui dorment la nuit sous des... Moi, quand je suis au Cameroun, j'aime beaucoup marcher la nuit. Il faut voir le Cameroun le jour, mais c'est surtout la nuit qu'il faut voir le Cameroun. Vous avez beaucoup de gens qui dorment dans les taxis, dans les nappes à terre, etc. Les motos, il y a des Benskner qui dorment sur les... Voilà, qui dorment sur les motos. Moi, j'aime beaucoup marcher à Douala la nuit avec des amis. J'aime beaucoup marcher à pied la nuit. Vous voyez notre Douala, j'aime m'arrêter. Les femmes qui font la nourriture la nuit, là, s'asseoir, causer. C'est là que vous voyez le vrai Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun du jour, là. Vous voyez souvent les momos, il va se mettre, il y a l'autoroute, il dit ça. Ce n'est pas le Cameroun. Marcher dans une ville comme Kribi la nuit, vous allez voir le Cameroun. Vous allez voir, marcher à Douala Yaoundé la nuit, vous allez voir le Cameroun. Causer avec les gens qui font la laverie, laver les voitures la nuit pour que les taximens commencent à rouler à 4 heures. Les taximens qui viennent déposer les voitures à 2 heures pour reprendre le service à 4 heures, 5 heures du matin. Causer avec eux. Vous allez entendre. Est-ce qu'il n'y a pas un forum? Est-ce qu'il n'y a pas des discussions? Il faut d'abord que nous changeons. Si nous voulons que les capitaux arrivent chez nous, il faut d'abord que nous changeons le fonctionnement des institutions politiques. C'est une question de bon sens. Je pense, et moi je le dis toujours, j'ai le courage de le dire parce que je connais toute la classe politique camerounaise. Quand je dis connaître, je ne parle pas le connaître de Onanguine. Je suis né dans le système. Je suis né dans le système. Tous, quand je parle, ils connaissent mon visage. Moi, j'ai été en vacances à la présidence de la République plusieurs fois. Je parle à la présidence de la République du Cameroun. J'ai été en vacances là-bas plusieurs fois. Je connais ça. Je ne veux pas seulement citer chez qui, comment, etc., etc. Ici, dans le live, parce que c'est les personnes qui font pas la politique. Mais j'ai été, je connais bien ce système-là. Et on leur dit, nous, on peut le... Bon, parce que quand c'est les autres, vous voyez les gens comme les Kanto qui ont été dans le système, les Pendekoka dans le système. On le croit, il faut changer ça parce que ça nous mène droit dans le mur. Je dis bien que c'est comme un pont métallique qui s'effondre et il y a des gens qui disent non, nous on vit du pont, donc on va sauf que rester sur le pont pour montrer et le pont s'effondre dans l'eau avec eux, ils disparaissent. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut changer le système. Aujourd'hui, pour que les gens viennent emprunter dans un pays, ils mesurent le risque politique. Donc, ça veut dire qu'il faut changer, avant même la gouvernance, le mode de fonctionnement des institutions, le processus électoral. Ça, les investisseurs regardent ça. On appelle ça le risque politique. Ça a plus de 2000 composantes. En matière de notation d'un pays, quand les investisseurs regardent ce qu'on appelle le risque politique et le risque commercial, le risque politique, ils regardent ça. Ce n'est pas un hasard si le Sénégal prend même plus d'argent que la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'au Sénégal, on sait que, bon, voilà, après un président, ce sera un autre. Après un autre, ce sera un autre. Après un autre, ce sera un autre. Ça ne va pas changer. Donc, l'investisseur dit, bon, si le Sénégal émet des obligations à 20 ans, si je mets mon argent là-dedans, je suis à peu près sûr que dans 20 ans, j'aurai mon argent. Il n'y aura pas une guerre qui va ravager le Sénégal. Si au Cameroun, qui va acheter un bon à 20 ans au Cameroun? Qui va acheter un bon à 20 ans? Le type se dit, voilà, il y a des tensions déjà au Nozo, il y a des tensions au Nord, le président veut que ce soit son enfant, les opposants disent non, ça ne va pas aller comme ça, etc., etc. Je fais même mon argent dans 5 ans, une guerre, je n'ai rien. Et dans le refinancement, je suis obligé d'abandonner les intérêts. Or, c'est les intérêts qui me nourrissent. Je ne prends que le principal. Donc, les gens ne veulent pas parce que ce n'est pas attractif. Donc, il faut d'abord qu'on change le fonctionnement de nos institutions pour améliorer le risque politique. Il faut que nous réorganisions la forme de l'État. Un Cameroun qui a bientôt 40 millions d'habitants, on ne peut plus le diriger comme le Cameroun qu'a dû diriger avec 5 millions d'habitants.
où Bepanda, c'était un coin vide. Aujourd'hui, Bepanda, c'est une ville, une cité avec 1 million d'habitants. Non, il faut refaire le Cameroun en redonnant les pouvoirs à des élus locaux, à des collectivités locales, à la base. Changer l'administration, cette histoire des nappes. Il y a beaucoup de réformes politiques à faire dans notre pays. Réconcilier notre pays avec lui-même. On ne peut toujours pas. En Amérique, on célèbre George Washington, on célèbre Martin Luther King, on célèbre les pères fondateurs. Chez nous, les pères fondateurs, c'est soit Aïdjo qui est à l'étranger, qui a travaillé pour le pays, qui est enterré à l'étranger, c'est soit Oum Niobel qui est coulé dans le béton à Boum Niobel. C'est même une malédiction. Il faut changer ça. Même sur un plan spirituel, c'est une malédiction. Tout à fait, tout à fait. C'est une malédiction. Qui veut voir son père couler dans le béton comme Oum Niobel à Boum Niobel? Il faut aller sortir cette tombe-là, fendre ce béton-là, enlever le corps de l'homme et lui Même redonner. symboliquement, c'est cruel. C'est une malédiction. Ça vous attache même, comme on dit au village. Chez nous, on appelle ça le ndon. Il faut aller faire des cérémonies traditionnelles pour retirer ça sur le corps. Donc, il faut faire ça. Ensuite, maintenant, il y a le risque commercial. Ça veut dire que le Cameroun doit faire maintenant des efforts pour pouvoir mettre en place le droit civil romain. Mais il faut que des gens courageux, c'est pour ça que moi j'aime Camteau, pour dire à un moment que voilà, dans notre pays, nous devons mettre en place la common law. C'est parce que c'est les anglophones qui ont demandé ça. C'est une question de bon sens. Parce qu'aucun, je dis bien, j'utilise bien le mot aucun, j'utilise bien le mot aucun en majuscule, aucun investisseur, même les entreprises françaises, je sais de quoi je parle, mais je ne peux pas dire des choses ici pour des raisons de confidentialité. Les entreprises françaises, même qui vont, les LVMH, toutes ces grandes boîtes-là, qui vont trouver les capitaux dans le monde, se soumettent aux normes de la common law, de la common law. Donc, il faut qu'on améliore notre système juridique. Parce que c'est l'argent qui crée le droit. Et l'argent, aujourd'hui, les gens, les histoires de WADA, là, ça, ce n'est pas sérieux. C'était juste la partie visible du problème, mais il s'agit de quelque chose de plus profond. Je comprends. Exact. Exact. Donc, Donc, il y a ça que nous devons faire, refaire ça, lutter contre la corruption, moderniser nos institutions. Par exemple, est-ce que c'est normal que, par exemple, le FECOM doit pouvoir se lever un matin, le FECOM au Cameroun, aller prêter de l'argent sur les marchés financiers? Dit, voilà, je prête 80 milliards, mais on va bien regarder comment est-ce que le FECOM est géré. Est-ce qu'on est capable de donner un coup de fil à la présidente, au directeur du FECOM? Tu as combien d'encaisses? Il dit 300 millions, il dit, donne-nous 100 milliards. Comme ça, sans un papier, rien, 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 rien. ça, c'est rien, tout, il n'y a pas de. Voilà, Je rien et comprends. tout, et tout, et tout. Qui va mettre l'argent? Parce que si le FECOM, par exemple, lève 1 000 milliards, le FECOM peut commencer à dire aux villes, bon, écoutez, c'est ce que faisait Dexia en Europe, qui était une banque, en disant, bon, voilà, vous, tu as besoin de combien pour construire un marché? Bon, je vais construire un marché, par exemple, à Bafoussam, où les gens sont dans les tôles. Je vais construire un marché moderne qui va ouvrir 24 heures sur 24. Ça va augmenter le business parce que les gens vont commencer à ouvrir 24 heures sur 24, il y aura la sécurité, comme les marchés où les Camerounais vont acheter des trucs en Chine, là, le marché de Youfou, ça va être un marché moderne comme ça, et ça va générer l'activité. La mairie va dire, bon, en 5 ans, je peux rembourser. Le FECOM doit pouvoir emprunter de l'argent, mais pour que l'investisseur mette son argent là-dedans, il veut bien voir comment c'est géré. Or, on sait chez nous comment c'est géré. Moi, j'étais au Cameroun, hein. Je suis rentré de France avec mes diplômes, j'ai tapé à la porte de toutes les entreprises publiques, j'ai des grands frères qui me disaient, si tu veux aller en prison, va là-bas. Si tu veux aller en prison, va là-bas. Parce que tu vas t'asseoir comme directeur financier. On te donne un coup de fil, on dit, bon, décaisse 300 millions. Si tu ne décaisses pas les 300 millions, tu perds ton emploi. Si tu décaisses l'argent, le jour où on vient avec un audit, on te dit, bon, tu as décaissé 300 millions, voilà le papier qui justifie les trucs et tout. Tu dis, non, on m'avait appelé, on te met en prison. Ou bien si on ne te met pas en prison, tu es obligé vraiment d'entrer dans les combinaisons, pas possible. Donc, tout ça, nous devons changer. Si, je vous dis, moi, je suis dans un environnement où il y a les capitaux. Mais quand on dit les capitaux, je m'assois souvent avec les gens quand je parle. Quand je parle de 2 000 milliards, c'est comme si je parlais de 20 000 francs CFA. Les gens disent, mais toi, tu es toujours en train de parler de ces histoires de milliards, tu donnes les mots. Parce que c'est ce qui est. That's what it is. Mais Dans avec les ministres ce monde-là, on parle de 2 000 milliards de CFA, comme on parle de 20 000 francs CFA au Cameroun. Camerounais de l'économie, des finances même, est-ce qu'il n'y a pas un qui a été capable à un moment donné, on a juste aimé qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans toute cette histoire des ministères des Finances du Cameroun qui a été capable d'apporter quelque chose de plus au Cameroun? Je pense que même si on met Bill Gates ministre des Finances, va se casser les dents. Tout est décidé par le secrétaire général à présent.
C'est vrai. Moi, qui parle là, on m'a approché une fois, on me dit, bon, tu parles bien aux États-Unis, viens. J'ai dit non. Parce que tu vas te casser les dents. L'environnement ne te permet pas de travailler. Tu vas te casser les dents. Je ne veux pas dire quelque chose qui est douloureux ici. Moi, j'ai beaucoup de gens de ma génération qui sont allés travailler avec Michel François Lacamaire. Je ne vais pas entrer dans les détails. Beaucoup sont en exil ici aux États-Unis. Beaucoup nous montrent les documents. Ils ne peuvent pas parler, évidemment, parce que sinon, il y a péril sur leur famille au pays. Mais ils vous montrent. Ils vous disent, bon, voilà, nous, on travaillait, on disait fait de fin d'année, on rentre 60 milliards d'argent. On nous demande une double signature dans le compte et nous, on vient comme ça, le banque, on émet les chèques pour payer les gens qui ont mis le kérosène, les droits d'atterrissage au sol. Les chèques rentrent tous impayés, on s'en va là-bas, on dit c'est quoi? On dit tes comptes ont été vidés. Wow. Bon, comment tu veux travailler? On Oui, a comment entendu tu veux l'histoire travailler? de mettre Quand juste on t'appelle, on te un. dit que bon, on a une proposition pour toi au pays, c'est eux-mêmes qui te disent si tu veux mourir, vas-y. C'est impossible. Donc, dans ce contexte, c'est pour ça que tu ne me verras jamais flinguer le ministre des Finances ou bien le ministre en Minepart, parce que je peux comprendre le contexte dans lequel il travaille. Ça veut dire que je peux comprendre que le gars peut faire des efforts. Ce n'est pas parce qu'il fait des efforts pour que l'argent entre. Si on vient, on lui dit donne tout l'argent, là, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Si on ne lui dit même pas comment va être Ils dépensé sont l'argent. manipulés, ils sont pilotés en quelque sorte, quoi. Bien sûr, ce n'est pas eux qui décident. On décide au niveau d'eux. Et c'est un système. Pour ça, je dis qu'il faut changer les institutions. Parce que le jour où le gars, il est devant une institution où il prend une initiative, il va devant le Parlement, il défend son initiative. Le Parlement lui donne le mandat. L'exécutif maintenant lui dit, voilà l'initiative, il défend devant le Parlement. Le Parlement lui donne le mandat, il agit. À partir de ce moment, quand le Parlement lui a donné feu vert, personne d'autre ne peut revenir en retour. Je prends un exemple. Si la loi que Motazé avait sortie pour les portables, c'est un correctif budgétaire, comme on dit, il y a une sorte d'avenant dans les finances publiques. S'il était allé devant le Parlement, il avait défendu que le Parlement lui avait posé des questions, il avait justifié, etc. Il avait défendu, ça m'a entouré du ministre de l'Éducation, du ministre de la Formation, du ministre de ceci, avec un collectif de ministres, et on leur avait donné feu vert. Le secrétaire général, la présidente, ne pouvait pas revenir en arrière. Mais vous voyez bien comment ça marche. Le ministre prend sa part d'initiative comme ça, en se foutant du Parlement. Quand ça grogne un peu, le secrétaire général revient en arrière. Vraiment, moi, j'ai été bien formé ici aux États-Unis dans la gouvernance publique. Dans ce contexte-là, tu ne peux rien faire. Même si tu es Bill Gates. Il dit, même si on met Bill Gates ministre des Finances au Cameroun, il va se casser les dents. Il ne pourra rien faire. Donc, il faut vraiment qu'on. C'est une question de bon sens. Hein. Je veux dire, quand je dis ça, j'insiste toujours pour dire qu'on n'attaque personne. Ce n'est pas des attaques contre les gens. C'est en fait, c'est une question de bon sens. Parce que nous autres ici, bon, la vie, elle est belle. Mais alors, qu'est-ce qu'en est-il des gens au pays? Est-ce qu'ils peuvent se soigner? Est-ce qu'ils peuvent prendre 3 repas? Est-ce qu'ils peuvent avoir les moyens de se détacher les dents? Moi, j'ai les gens au Cameroun qui t'appellent pour te dire vraiment, moi, je n'ai pas dormi, c'est quoi? Oh, ma douleur dentaire, mes 3 dents sont percées au village. Est-ce qu'il y a un chirurgien dentiste dans une ville comme Bouda? Combien coûtent ses frais? Etc. Est-ce qu'il y a une petite assurance maladie pour que le type aille là-bas faire des soins? Il n'y a rien, 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 rien. Mais ce n'est pas un monde. Nous voulons construire un monde qui est meilleur pour les Camerounais. L'eau, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, une éducation de qualité pour les gens qui vivent en zone rurale. Est-ce que vous êtes déjà allé voir une école dans les zones rurales? Il y a un maître pour. Qui enseigne à la fois la SIL, le CP, le cours élémentaire, le cours élémentaire de 1 mètre. Ça veut dire qu'il enseigne la SIL le lundi, il enseigne le CP le mardi, il enseigne, etc. Est-ce qu'on peut construire un pays avec ça? C'est ça. Donc, il faut que vraiment nos parents, je parle de nos parents, qu'ils aient le courage de s'asseoir. Je sais que ce n'est pas facile parce que vraiment, on est dans un pays où c'est l'estomac, chacun regarde son privilège, il s'accroche dessus. Hein, vous avez les momos hier qui critiquaient beaucoup le régime, mais dès qu'on l'a appelé pour son estomac. J'ai l'impression que tu as un problème particulier avec ce moment. C'est déjà la troisième fois dont tu fais allusion à ce Parce que je le personnage. connais très bien, Momo Jean de Dieu, je le connais très bien, je le connais très bien. C'est quelqu'un qui était des personnes qui dialoguaient beaucoup avec la diaspora. À l'époque, il disait qu'il avait un projet politique qui nous avait envoyé. On a regardé ça. Moi, j'ai eu le courage de le dire. Momo était arrivé jusqu'en France.
Il m'a dit, oh voilà, j'aimerais faire un accord avec le parti de Mélenchon, la France insoumise. Et je lui ai dit, tu patientes, je vais contacter quelqu'un à la France insoumise, dont je ne donne pas le nom ici, et la personne va retourner vers toi, te dit, voilà, si le partenariat est possible. Effectivement, on a contacté la personne. La personne a dit, donne-moi une semaine pour me renseigner. Et après une semaine, il m'a dit, ce type n'est pas fréquentable. Bon. Ça m'avait un peu heurté. Je m'étais dit, bon, pourquoi il dit ça? Vraiment, c'est méchant, etc., etc. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Il veut dire que, voilà, qu'il disait, voilà, le panafricanisme, il faut que ça change, etc. On se disait, bon, au moins, il faut qu'on se batte pour qu'il ait une mairie. Et là, il pourra expérimenter toutes ses idées. Et quand on voyait comment il fait un virage à 360 degrés, il insulte la diaspora, qui pourtant hier l'a beaucoup soutenu, dans son micro-parti là. Il insulte les enfants de sa zone d'origine. Il insulte tout ça. Et il dit, il boit son vin de pâte. Bon, quel est le projet politique, mon cher frère? Quand un Américain qui est ici là, qui va aller investir dans un pays, l'argent dans un pays comme le Cameroun, s'il a le choix entre deux pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, si moi je suis un élu ivoirien et je veux qu'il vienne en Côte d'Ivoire, je cherche la vidéo de Momo, je traduis en anglais et je lui montre. Je lui dis, regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il dit. Do you trust? Can you trust someone? Can you trust that leadership? Je lui dis, est-ce que vous pouvez avoir confiance en ce leadership dans un pays comme ça? Il va changer de destination. En tant que ministre de la Justice, c'est clair que c'est mort. Et le ministre de la Justice, voilà, il va changer de destination. Donc, c'est un plaidoyer pour que nos parents, nos aînés comprennent que vraiment l'heure est grave. En plus, nous avons une population qui à 85% a moins de 35 ans. Donc, il y a encore la vigueur, la force de travail, la jeunesse, la vivacité, l'agilité, la flexibilité pour pouvoir travailler, la volonté. Moi, je le dis toujours, quand j'étais plus jeune en France, on travaillait 18 heures par jour. Mais 18 heures par jour, et 7 jours sur 7. Et on n'était pas fatigué, on avait même encore envie de travailler. On voulait que les journées fassent 50 heures. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus le cas. Donc, ça veut dire que l'État du Cameroun doit vraiment, on est en train de passer à côté de quelque chose. La population qui est jeune, les ressources naturelles, une diaspora qui a des capitaux, qui est bien formée. On a tout. C'est pour ça que c'est nous qui faisons peur. Nous faisons peur au Nigeria. Nous faisons peur à la Côte d'Ivoire. Nous faisons peur au Sénégal. Quand un dirigeant ivoirien, je connais bien la Côte d'Ivoire, veut ouvrir sa bouche pour parler du Cameroun, mais il a peur parce qu'il dit, bon, si je dis ça, même ça va pas mal, mais faut pas que ça me rattrape demain. Un dirigeant sénégalais, vous voyez, n'en parle jamais parce qu'il connaît le potentiel de notre pays, ça fait peur. Mais on est un lion édenté, on ne fait plus peur aux gens parce que, voilà, notre pays, au niveau industriel, on n'est pas là. Au niveau des infrastructures, on n'est pas là. Regardez les aéroports de Douala, regardez les... Mais c'est affreux. Moi, j'étais à Yaoundé. Parlant des projets politiques, on t'a vu généralement suivre le professeur Moïse Kamto. Est-ce que dans cette question de ce vide économique-là, est-ce que le projet du professeur Moïse Kamto, contrairement au projet du micro-parti politique dont tu as fait allusion tout à l'heure, est-ce que ce projet politique du professeur Moïse Kamto répond à ça? Oui, moi j'ai eu le privilège, je le dis, Qu'est-ce qu'il y a bon, de j'ai eu le privilège. particulier dans le projet du Oui, parti? j'ai eu le privilège de travailler avec le professeur Kamto. J'ai eu le privilège. Bon, je sais que ça ne fait pas plaisir. Je ne suis pas membre de son parti. Moi, je suis encarté, je le dis toujours, au Parti socialiste français. Et je suis encarté aussi ici aux États-Unis, au Parti démocrate. Bon, c'est vrai qu'en Amérique, ici, on ne le dit pas trop. Mais les gens viennent vous chercher. Hein, les gens viennent vous chercher. Moi, je peux dire comment je suis arrivé au Parti démocrate. Je pense que j'avais travaillé, c'était à l'occasion du Martin Luther King, comme bénévole, comme bénévole. On avait fait pas mal de choses et je faisais le mentoring. Donc, je donnais comment on peut dire, comme des cours de répétition et encadrer des enfants élevés par des femmes noires qui sont seules. Et pour que ces enfants-là puissent entrer au collège et entrer dans les meilleures universités de ce qu'on appelle Ivy League. Et sur ce, il y a une organisation, tous ceux qui sont aux États-Unis connaissent, qu'on appelle YMCA, qui est, comme on peut dire, le NDA pour le Parti démocratique. YMCA, c'est pour le Parti démocrate. C'est une très puissante organisation qui a un budget de 20 milliards de dollars. 20 à 30 milliards de dollars. Je ne sais pas si tu vois ce que ça fait. Ça fait, Non, c'est non. ça fait, ouais, ça fait plus de la moitié du PIB du Cameroun. Hein. Ça, c'est leur budget annuel. Hein. Donc, la directrice m'avait appelé. Elle m'a dit, bon, voilà, bon, je n'entre pas dans les détails trop. On a causé, je suis allé à son bureau, on a eu un lunch, un déjeuner à leur cafétéria. Et après, elle m'a remercié pour ce que j'avais fait. Et elle m'avait dit, why don't you go into politics? J'ai dit, non, je ne peux pas faire la politique. Je suis venu aux États-Unis pour faire autre chose.
Elle m'a dit, mais bon, il faut quand même avoir un pied dedans, ça peut toujours servir. Et on voit que ça nous a beaucoup servi quand on a arrêté le professeur Kamto, quand il y a eu la prise anglophone. C'est comme ça, c'est passé par ces règles-là que nous avons fait pression pour que le gouvernement américain s'implique davantage, non pas seulement ne pas, et ça va, ils vont encore davantage s'implique. Bon. Maintenant, quand j'ai vu, moi, au Cameroun, parce qu'il faut écouter ce que Maître Yondo a dit, ça veut dire que Maître Yondo a bien raconté la génération 90. Ils se sont levés, ils ont profité, en fait, même des soulèvements des étudiants, de parlement étudiantin, tout ça. Ils se sont levés, ils ont fait la coordination de l'opposition, etc., etc. Et après, plus rien. Il y a eu un vide après la tripartite. Bon. Maître Yondo a expliqué ses raisons. Il a dit que c'est la corruption. Donc, on n'a plus vu quelqu'un qui est arrivé avec un vrai projet et qui a parlé au Cameroun. On n'a plus vu ça. On a vu Marafa qui a dit qu'il sera candidat, alors qu'on voit comment il a réprimé 2008, des choses comme ça. Bon, on a vu Mebarak qui a dit qu'il sera candidat. On ne savait pas trop. Il était toujours dans le RDPC. D'ailleurs, Marafa et lui-même n'ont jamais démissionné du RDPC. On ne comprenait pas trop. Alors qu'on a vu Maurice Kamto qui a dit, bon, voilà, moi, j'ai été ministre pour régler la question de Bakassi. J'ai terminé. Je démissionne, je vais me lancer dans la politique, je prends la tête d'une coalition de partis politiques, je restitue et je vais sur le terrain, underground. Je commence à parler aux Camerounais, voilà. Donc à ce moment-là, moi j'ai pensé, comme aux États-Unis, ce qu'on appelle Super PAC, que voilà, on n'a pas besoin d'être de son parti pour donner le coup de pouce parce que le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Et nous voulons voir ce pays se relever. Donc, nous avons donc travaillé sur certains aspects. Et moi, j'aime bien ça, parce que c'est ce que nous, quand on a été formés en France, on rêvait de faire dans notre pays, quoi. Travailler dans un ministère, faire des notes de synthèse pour le ministre, pour qu'il puisse comprendre l'actualité ou prendre des décisions. Bon, moi, je me suis proposé de faire ça à la loi du président Kamto. Mais quand on regarde ce programme, maintenant, on s'aperçoit que ce soit, par exemple, sur la dette, le président Kamto a dit, c'est pour ça que les lives Facebook ou les directs Facebook sont importants parce qu'on a vraiment le temps d'expliquer les choses. Parce que Maurice Kamto, quand il est devant la caméra, la vérité en face, il dit en 15 secondes, bon, si je suis élu pour faire diminuer l'endettement et relancer l'investissement, je vais promouvoir les BOT, les PPP. Bon, ça, c'est vite dit, en 10 secondes. Il n'y a pas le temps pour donner la substance à ce qu'il veut voilà, dire. Voilà, la substance. On lit malheureusement peu, parce qu'il y a très peu de personnes qui lisent. Exact. Exact. Donc, ça passe très vite. C'est pour ça que moi, je l'appelais tout le temps. Je disais, ouais, mais professeur, avec tout ce qu'on a fait là, tout ce que tu as, il me dit, mais ça va vite et ça va très vite. Et si on veut expliquer ça, vraiment, on va y passer la nuit. Ça va très vite parce que c'est une émission qui dure 2 heures, mais il y a 50 questions à répondre. Donc, il dit ça en 10 secondes. Mais la vérité, c'est que, malheureusement, comme tu le dis si bien, les gens ne lisent pas beaucoup chez nous. Parce que si les gens allaient lire maintenant le programme, il verrait dans le programme qu'il a bien expliqué que voilà, en BOT, ça veut dire que désormais, il n'y aura plus la dette. Je vais mettre en place la common law, je vais réduire la corruption, je vais créer un vrai bureau à la présidence avec lesquels, et à l'Assemblée nationale, avec lesquels les investisseurs peuvent discuter, amener leur projet à l'Assemblée nationale, convaincre avec le ministre, convaincre notre Parlement pour que dans notre pays, on commence à utiliser le BOT et le PPP pour construire les infrastructures. Ça permet d'amener les capitaux, ça permet d'amener la technicité, ça veut dire le savoir-faire, ça permet d'ouvrir le Cameroun à l'économie internationale, les investisseurs, etc., etc. Ça permet, par exemple, dans le cadre du PPP, que l'État puisse s'associer à des opérateurs privés pour faire des infrastructures. Les gens peuvent apporter les apports en industrie, ça veut dire le savoir-faire. L'État peut mettre de l'argent, les partenaires étrangers peuvent mettre de l'argent, les hommes d'affaires camerounais aussi peuvent mettre de l'argent. Et avec le transfert des technologies, entrer pour commencer à voir comment ça fonctionne. Quand le professeur Kamto dit ça en 10 secondes, en fait, il veut dire, voilà, je vais tourner la page avec ce qu'on fait en 60. Je vais aller vers le futur. La conséquence de ça, c'est que comme dans les pays comme le Sénégal, je peux recevoir, parce que je précise bien, je n'ai pas de problème avec la Chine. Au contraire, je suis un sinophile. Je suis un chinophile convaincu. Ici, là, quand je faisais mon graduate school, j'avais une amie, c'était une chinoise. Donc, et qui occupe un très grand poste aujourd'hui en Chine. Donc, je connais très bien la Chine à travers elle. J'avais une professeure, si je dis Lina Deng, tous ceux qui entendent Deng en Chine savent ce que ça veut dire. C'est la propriétaire de la plus grande banque d'affaires chinoise aux États-Unis.
elle a été mon enseignante, Lina. Elle était mon enseignante. Et Deng, c'est comme Deng Xiaoping. Je n'ai pas besoin d'entrer dans tout le détail. Donc, je connais bien la Chine. Et j'ai l'occasion d'échanger avec ces gens. Et quand je leur dis comment ça marche avec notre pays, ils disent, ah, oh, your country, you know. Elle dit, your country have to change. If you change, you get more opportunity from China. China has more opportunity than that. Ça veut dire que quand vous voyez au Sénégal, si par exemple la dette du Sénégal vis-à-vis de la Chine, c'est 100 milliards, mais ça veut dire que le Sénégal a investi pratiquement chaque... La Chine a investi pratiquement 1 000 milliards. Mais c'est peut-être 400 milliards en BOT, en PPP, 500 milliards en BOT et 100 milliards en dette. Alors qu'au Cameroun, comme le climat n'est pas favorable, parce que si la Chine dit, je vais faire l'autoroute Douala Yaoundé en BOT, ça veut dire que c'est elle qui doit gérer les indemnisations. C'est elle qui... Non, le préfet ne va pas vous laisser tranquille. Parce que le gars va vous dire, c'est là où moi je mange. Donc, il faut aussi que ce soit nous qui gérons ça. Donc, non, dis-leur de nous prêter l'argent et nous-mêmes, on va gérer ça. Et là-dedans, chacun mange, comme on dit. Ils vont faire 2000 francs et ils vont garder 750 milliards chacun. Voilà. Donc, on a travaillé avec le... Quand on dit qu'on soutient le professeur Kamto, c'est parce que j'ai pris là un exemple de son programme. Hein, parce que si je commence à expliquer, on va passer la nuit ici. Donc, il y a plusieurs points dans le programme du professeur Kamto. Le problème, c'est la communication politique. Bon, il est obligé d'aller, et c'est pour ça que moi, j'ai dit à des gens de son parti, en l'occurrence les secrétaires nationaux qu'il a nommés, que plutôt que d'être sur les réseaux sociaux parfois à entretenir la polémique, il devrait prendre le temps de venir dans des directs comme celui-ci pour expliquer son programme. Parce que quand lui, il est face à la caméra, ça va très vite. Déjà qu'il n'y a que cinq grands points. Voilà. Il y a cinq grands points qu'il appelle les cinq chantiers, et c'est assez bien compartimenté là. Quand il est devant la caméra, ça va très vite. Il ne peut pas expliquer ça. Eux, ils auraient dû prendre le temps, les cadres sont partis, aller dans des directs, laisser un peu la polémique politicienne là. Expliquer et réexpliquer bien son programme de manière à ce que les Camerounais comprennent très bien. Parce que lui, aucun politicien qui fait campagne dans le monde n'a jamais le temps d'expliquer les choses dans le détail. Voilà. Donc, quand lui, Maurice Kamto, il va à la télé, il dit, bon, vraiment... Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous fait le lui dire. Qu'est-ce que vous comptez faire pour diminuer l'endettement du Cameroun? Bon, je compte vraiment utiliser les PPP, les BOT. Parce que s'il utilise les PPP, les BOT, d'ailleurs même Pendek Okala dit, très rapidement, d'ailleurs Pendek Okala dit, les projets structurants, on avait 5 000 milliards avec Alcan, le gouvernement Cameroun mettait 1 000 milliards, Alcan 6 000 milliards, le gouvernement Cameroun mettait 1 000 milliards, Alcan mettait 5 000 milliards. Ça permettait de faire un gros investissement. Mais le gouvernement Camerounais, they don't just get it, comme on dit aux États-Unis, ils n'ont même pas compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire que si on fait ça, on a 6 000 milliards qui sont dans notre pays, on a 0% de dette. C'est des investissements. Ça va créer la valeur et sur cette valeur-là, on va prélever une part pour rembourser la dette. Donc, Maurice Kamto l'a dit, il y a encore beaucoup d'autres choses. Comment restructurer la dette? Parce que la situation dans laquelle on est là, ce n'est pas une situation dans laquelle on ne peut pas s'en sortir. Hein. On sait comment faire pour régler ça. Mais simplement, okay. Le système tel qu'il est là, il ne peut pas, parce que si on commence à dire aujourd'hui que les nominations à la douane aux impôts, ce ne sera pas sur la base du clientélisme parce que vous êtes personnalité ressource au RDPC, ça ne va plus tenir. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On sait comment faire ça. Ce n'est pas une situation insurmontable. On sait comment surmonter ça. Et quand vous regardez le programme du professeur Kamto, si vous le lisez entièrement, il y a toutes les solutions là-dedans. Simplement, comme je le dis, je déplore que les cadres sont partis. Passe peu de temps pour pouvoir expliquer ça. C'est bien la télé. Mais quand ils vont à la télé, bon, oh, il y a eu les marches, comment Siga Sanga vient dit non. Vous étiez à Cologne pour donner les armes aux ambassadeurs, prendre l'argent. On se perd dans les choses, alors que c'est de la distraction. C'est la politique politicienne, c'est clair, non? C'est clair. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps pour parler aujourd'hui. Je souhaite qu'on donne quelques minutes à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent là. Là, si vous avez des questions sur le moment, vous pouvez poser vos questions. Il y a d'ailleurs un lien, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui veulent poser des questions de vive voix avec notre invité spécial. On va prendre, comme d'habitude, 5 questions, 5 comme ça, pas 5 comme ça, 5 comme ça. On va prendre 5 questions et après, on va se dire au revoir et rendez-vous. Donc, pour la prochaine, on va parler d'un autre pan. On peut parler de l'éducation au Cameroun aussi, en conformité avec le projet, par exemple, du professeur Maurice Kamto. Je l'ai lu et j'ai vu des similitudes très accentuées avec le projet éducatif allemand, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup intéressé. Avec... On a beaucoup regardé. Je me rappelle, j'étais allé fouiller pour le professeur Kamto une loi là.
j'ai oublié le nom de la loi. C'est une loi que les Allemands avaient pris, que les Français ont tardé à prendre d'ailleurs, qui avait permis de réformer profondément le marché du travail. J'ai oublié le nom de cette loi. Je sais qu'on a beaucoup, on a fait beaucoup de recherches hein, pour enrichir ce projet-là. Je vais retrouver le nom de la loi et je te la donne. Parce que quand j'ai lu ce chantier-là sur l'éducation, je me suis senti dans le système allemand. Oui, on a beaucoup travaillé sur le modèle allemand. Ça m'a intéressé. Donc, j'aurai le temps d'en parler certainement. J'espère que tu seras là. Comme ça, qu'on échange. C'est ce genre de discussion qui est important pour les Camerounais. Comme ça, ils peuvent facilement comprendre clairement de quoi les questions et ce que nous voulons changer au Cameroun. Exact. Jean Bertrand, Stevie dit à ce monsieur d'appeler pour poser. Bon, je ne sais pas de qui tu parles, mais le numéro de téléphone, Stevie. Le numéro de téléphone est connu, vous connaissez mon numéro de téléphone. Sinon, il y a un lien là-en bas, appuyez sur le lien et vous allez poser votre question à travers le lien. Aussi, il faut vous assumer. Si vous voulez venir attaquer les gens, il faut être capable d'assumer ce que vous dites. Ce n'est pas un live politique aujourd'hui, donc on parle d'économie. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous venez parler. Je réponds à toutes les questions. Donc, c'est un habitué lui-même des directs. Donc, forcément, vous tombez entre de bonnes mains. Donc, il n'y a pas risque que vous frustriez notre invité. Le numéro de téléphone, je viens de le laisser passer là. Vous le récupérez, vous appelez. C'est un numéro de téléphone connu de ma chaîne. C'est le seul d'ailleurs que tout le monde utilise. Donc, vous saurez forcément comment me rejoindre par là. Quelles sont les conséquences? Voilà, je viens de voir deux questions là. Qu'est-ce qu'il pense de l'électrification au Cameroun? La première question qu'on a, c'est que penses-tu de l'électrification au Cameroun? Voilà. Ce que je pense de l'électrification, je l'ai toujours dit, c'est que Paul Biya a été trompé sur le projet d'électrification du Cameroun. Je dis trompé parce que je pense qu'il a je lui accorde le bénéfice du doute d'abord. Deuxièmement, je pense qu'il n'est pas un technicien. Bon, non, c'est vrai. Je lui accorde le bénéfice du doute. Hein. On ne peut pas tout savoir. C'est pour ça que dans les entreprises, même dans les entreprises, les gens ont des conseillers. Vous avez des avocats, vous avez des notaires, vous avez des... Parce que vous n'êtes pas spécialiste. Donc, vous avez besoin des ressources intérieures, extérieures pour vous conseiller. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'a pas été bien conseillé. Il n'a pas été bien conseillé. Moi, je l'ai toujours dit. On lui a vendu un plan d'énergie de 1960 alors que nous sommes allés à la transition énergétique. On lui a vendu sa chair. Aujourd'hui, faire de l'énergie ne veut plus dire produire, faire des barrages. Première chose qu'on aurait dû vendre à Paul Biya, je vais vite, je simplifie les choses pour que ça ne soit pas un monologue d'une heure. On aurait dû lui vendre d'abord un plan d'économie d'énergie. Moi, j'ai travaillé avec le professeur Kamto et nous l'avons travaillé, c'est ce que nous avons dit au professeur Kamto. Un plan d'économie d'énergie. S'il y avait un plan d'économie d'énergie, ça ferait qu'au Cameroun, on pouvait réduire de 25% la consommation d'énergie. Pas les bonnes habitudes. Éteindre les lumières, éviter d'importer, parce que je le disais encore aujourd'hui à quelqu'un au Cameroun qui me disait, je vais acheter les frigos, la machine à laver. Je dis, mais achète le neuf. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que ici aux États-Unis, quel est l'argument de vente de changer le frigo, etc. C'est parce qu'on vous dit, voilà la consommation d'énergie. On vous dit, voilà, votre frigo, il consomme combien? Quand on fait les calculs, on dit, vous voyez, par an, le frigo consomme 250 dollars, par exemple, le frigo, la machine à laver consomme 250 dollars. On dit, OK. La durée de vie, on dit 20 ans. On dit, OK. Ça veut dire, en 20 ans, vous avez consommé 250 dollars par 20, ça fait 5 000 dollars. D'accord. Le nouveau frigo coûte, et la nouvelle machine à laver, les deux vont coûter 1 000 dollars. 1 000 dollars, sauf que, ils vont vous ramener la consommation, au lieu de 5 000 $ sur 20 ans, ils vont vous ramener la consommation à 1 000 $ sur 20 ans. Donc, quand on calcule prise d'achat plus consommation, ça fait 2 000 $, il y a 3 000 $ de consommer. Et moins okay. Il y a une autre question. Donc, il fallait d'abord faire de la réduction d'énergie. Ensuite, il fallait changer le mode de consommation d'énergie. C'est important. Comment on peut continuer à construire des logements qui sont des fours à pain? Avec le ciment, le sable, qui sont des fours à pain. Il fallait faire des logements qui consomment moins d'énergie. Il fallait donner les moyens aux entreprises de renouveler leurs équipements. Nos entreprises produisent avec des vieilles machines de 30 ans qui sont gourmandes en énergie. Il fallait leur donner des crédits d'impôt pour qu'elles renouvellent leurs équipements. Et le renouvellement des équipements faisait chuter la demande en énergie des entreprises de 50%.
et ça permettait qu'elle soit plus productive en consommant moins d'énergie. Et ensuite, on devait commencer à utiliser les ressources rares. Comment ça se fait qu'on ait vendu à Paul Biya le fait qu'il ait utilisé 500 milliards pour construire des centrales thermiques, alors qu'il mettait 20 milliards ou 50 milliards, il construisait une usine de panneaux solaires. 50 milliards, il faisait une usine. Ou même l'éolienne qui, dans l'Ouest Cameroun, pourrait alimenter la région. Et rapidement, ça commençait à développer le pays. On ne serait plus dans les délestages. Et puis, il refaisait les barrages avant de construire de nouveau. Je veux dire, on l'a trompé. Et je l'ai dit, une fois, je l'ai dit dans un forum, j'ai été coupé et éjecté. Mais j'ai dit, écoutez, parce qu'il y avait des gens du gouvernement là-dedans qui ne voulaient pas entendre ça, je dis, que cela vaut. C'est pour ça que je leur dis, les gens qui disent aimer Paul Biya, ils ne l'aiment pas. Ils sont autour de lui parce qu'ils mangent autour de lui. Mais ils ne l'aiment pas du tout. Si vous aimez votre père, vous ne le poussez pas à faire des erreurs comme ça. Lui n'est pas un technicien. Et quand on voit le projet qu'on lui a vendu, Il y a une autre question qui rejoint ton point de vue. La question est de savoir, je bive les questions comme ça au point, hein, pour ceux qui sont là, oui, bien choisis. Oui. Donc, vu la conjoncture actuelle, quelle est l'espérance de vie du modèle économique du système actuel du RDPC? Bon, il veut dire le système gouvernemental, puisque le gouvernement aujourd'hui est mort. Il est déjà mort. Il n'a même plus d'espérance de vie, il est mort. Il est mort parce que le système actuel, c'est quoi? Je prête, j'injecte la liquidité dans l'économie. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'immeubles, parce que bon, quand on a réussi à un pays, nous prête de l'argent, l'argent entre, bon, chacun se sert à travers les frais de mission, les machins, etc., etc. Il construit son immeuble au quartier. Mais ce système-là est mort parce que maintenant, les dettes arrivent à maturité. Et comme les dettes arrivent à maturité, il faut les repayer. Et si les créanciers, vous ne les avez pas repayés, vous n'avez pas trouvé un accord de refinancement sur vos dettes, ils ne peuvent pas vous donner de nouveaux crédits. À partir de ce moment, le système est mort. Ce genre de système-là, c'est 20 ans. Donc, on a vu comment il est parti de 2015. Voilà, il est mort. Tout à fait. Bon, maintenant, il y a une autre question qui m'intéresse aussi. C'est la question de Jules Julio qui dit, est-ce que le recouvrement des milliards détournés des prisonniers détournés par des prisonniers VIP, donc les ministres et tout, que nous connaissons, peut aider au développement durable du Cameroun? Bon, je veux voir sa question dans une perspective déjà où est-ce que c'est possible de récupérer cet argent? Si oui, pouvons-nous injecter cet argent dans le processus de développement du Cameroun durable? Comme on dit en économie, il faut un benchmark. Benchmark, ça veut dire qu'il faut un comparatif, c'est-à-dire qu'on peut dire, bon, voilà, OK, ça a déjà marché. Moi, je poserai la question à celui qui me pose la question, qui me dit où ça a déjà marché. C'est pour ça que dans un pays, on combat la corruption, on empêche que les gens ne détournent. Parce qu'il faut se dire une chose. Si je viens aux États-Unis, je dépose 10 milliards de francs CFA dans une banque, 20 millions de dollars, ne pensez pas que la banque garde l'argent là sur elle. La banque dépose les 10 milliards, elle dépose 1 milliard à la banque centrale. Elle dépose, je crois, 2 milliards à la banque centrale, soit 20% en forme de retraite. J'ai un intervenant là qui tient à dire quelque chose. D'accord. Une seconde, je vais te connecter, je vais te mettre en direct. Ça va prendre un instant. Vas-y, on t'écoute. Allô? Bonsoir. Voilà, là maintenant c'est bon. Attends. Voilà, là, c'est bon, tu es connecté, on t'écoute maintenant. Ok, bonsoir. Moi, j'appelle, bonsoir à vous deux, bonsoir à vos familles. J'appelle depuis le gouvernement d'Arlington, que votre invité fait bien, ça se trouve. Et moi, j'ai une question pour vous. Une question qui est très simple et claire. Je voudrais d'abord commencer par savoir, combien de temps il a fait dans la vie. La question, j'ai pas bien compris la question, j'ai pas bien suivi. Tu veux savoir le nombre de temps il a fait dans la diaspora, c'est ça? Oui. Quand je suppose qu'il n'est pas né, je suppose. Avec combien de temps professionnel? Ce soit en euros ou en euros. C'est quoi l'incidence de ça dans la thématique d'aujourd'hui, en fait? L'incident est simple et clair. Je vais aller trop plus. Parce qu'ils sont malheureusement, il y a au moins une quatrième génération, spécifiquement les Camerounais, par la guerre à la diaspora, pendant des décennies,
Simplement parce qu'ils avaient peur d'investir. Je vais m'expliquer. Les Camerounais à essence, les Africains en général, ont la facilité. C'est pour ça qu'il y a le modèle du libéralisme communautaire où il y avait l'économie informelle. On pouvait gérer simplement parce qu'il n'y avait rien de numérisé pour aller investir en Afrique dans les dizaines d'années et enrichir le système actuellement. C'est bien dit. Donc, la raison pour laquelle je demande cette clé, en tant que disait que moi je réfléchis à une économie qui a tellement une langue technique qui sont sous, qui sont vraiment efficaces, moi, ce que je veux savoir, c'est que comme lui, est-ce qu'il est capable de travailler en coordination avec une centaine de professionnels pour monter les projets ici aux États-Unis qui vont générer des dollars par année, pour que s'il arrive qu'il y ait une possibilité d'investissement au Cameroun, avec les relations bilatérales ou multilatérales, quand on parle des États-Unis qui vont investir, ce sont la diaspora camerounaise qui va investir. La question, est-ce que tu l'as compris? Non, j'espère que tu vas interpréter. Je vais comprendre. Donc, je vais essayer de reformuler parce que ton volume est très bas. Tu vois, j'utilise un haut-parleur vraiment de puissance extrême, mais jusque-là, tu vois, j'utilise un haut-parleur de cette nature et je t'assure que je n'arrive pas à t'écouter. Peut-être qu'il faudrait que tu te rapproches de ton micro parce que le son est vraiment bas, vraiment, vraiment bas. Bon, on aurait pu avoir mieux. Apparemment, tu téléphones avec des écouteurs, je crois. Oui, je sais que c'est avec des écouteurs, c'est pour ça que le son est étouffé. Si jamais les écouteurs sortent, le son, la qualité du son sera plus dense et plus de basse. Ok, ma question a été simple et claire. Je voulais savoir si le professionnel qui a un invité aujourd'hui. Il est capable de travailler en coordination avec des centaines de professionnels, comme il se parle, des ingénieurs, des médecins, pour trouver des structures, éventuellement, parce que pour moi, personnellement, c'est de trouver des possibilités de faire un fonds d'investissement, une activité génératrice de revenus en termes de milliards de dollars, pour être des potentiels investisseurs payants, lorsqu'on va entretenir le consulter. Est-ce qu'il est capable de le faire, ou du moins, il évalue le ratio de personnes qui ont fait la diaspora depuis les années 60, et le bilan sur le terme financier, comparativement à des petites communautés qui sont venues s'installer dans la diaspora et qui ont généré des revenus, des revenus en micro-entreprise et en compte de coopération, en tout ces centaines de millions de dollars pour leur communauté à petit format, qui bleue et qui est capable de travailler encore avec ces personnes pour trouver un super fonds de type. Une sorte de lobby financier potentiel de pouvoir investir au Cameroun. Ok, j'ai compris. Je crois que j'ai compris en substance la question. La question, c'est celle-ci. C'est de savoir, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, avec ce que tu as proposé, est-ce qu'il peut compter sur toi aujourd'hui pour te mettre en conjugaison avec d'autres acteurs de ton domaine ou bien d'autres domaines pour permettre avec un budget d'élever le Cameroun futur, quoi. C'est ça? Est mon frère au téléphone, c'est ça? Oui, c'est ok. Ok, super. Et il y a une autre question que tu voulais poser, comme ça? Je veux juste mettre une part sur quelque chose de spécifique. En termes de construction, je dis sur des projets vraiment à fort revenu. Je ne sais pas comment le dire. J'ai compris. Quand tu dis de fort revenu, tu as mentionné en termes de milliards. C'est-à-dire des projets qui vont être des projets porteurs, oui, comme on dit. Tout à fait, je sais que c'est noté. C'est noté. Merci pour la question. Merci d'avoir appelé, mon frère. Donc, on te souhaite une bonne soirée. Reste juste connecté. Tu écouteras dans la réponse qui va être donnée par l'invité d'aujourd'hui. Ok. Bon, tu as la parole. On revient à toi. Oui, moi, je pense que c'est une très bonne question. C'est une question très importante. C'est une question qui taraude la diaspora. C'est une question que j'ai beaucoup travaillé avec le président Maurice Kamto, parce qu'un des piliers de son parti, vous avez bien noté, c'était la diaspora. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, la diaspora ne peut pas aller au Cameroun parce qu'il y a des listes dans les aéroports. Vous avez même vu un consul carrément intervenir pour que quelqu'un puisse prendre son avion, etc. Donc, on n'exploite pas le potentiel que la diaspora. Bon, il a demandé depuis combien de temps depuis je suis dans la diaspora. Je voudrais dire que j'ai passé la moitié de ma vie dans la diaspora. Donc, s'il regarde un peu mon âge, il regarde un peu mes cheveux sur la tête, il peut comprendre le temps que j'ai passé dans la diaspora.
Maintenant, il demande si on peut créer des fonds d'investissement pour amener les capitaux au pays. Dans le contexte actuel du régime actuel, ce n'est pas possible. Je vais lui prendre trois exemples. J'ai des aînés que je connais. Pardon pour ces aînés que je puisse citer leur nom, parce que c'est la vérité. Il y a un grand frère qui est en France qui s'appelle Niam, Hervé Niam, qui était venu au Cameroun, avait un projet à l'époque, il voulait construire 200 000 logements, parce qu'il voyait bien qu'à l'avenir, c'est ce qu'on a aujourd'hui, là, la crise du logement, ça allait être la crise du logement. Donc, sur 5 ans, il avait construit 200 000 logements, presque 40 000 logements par an. C'était un projet soutenu par l'Agence française de développement, les grands constructeurs immobiliers français, comme je crois que ça s'appelait Batignolles ou c'est Fougerolles, quelque chose comme ça là. Jamais le projet n'est sorti de terre, alors que tous les documents étaient prêts. Vous avez connu un grand frère qui s'appelle Raphaël Onambélé. Souvent, j'allais regarder même son compte là. Je ne sais même plus s'il est là aujourd'hui. Quand l'Afrique du Sud venait fraîchement, de Mandela venait fraîchement d'arriver, ils avaient identifié un jeune Camerounais qui était un expert comptable, quelque chose comme ça. Et ils lui ont dit vraiment, on te met devant. Et si j'avais su, j'aurais sorti ces documents-là, je vous aurais montré parce que c'est les gens que j'ai rencontrés au Cameroun, j'ai eu plusieurs réunions avec eux. Il peut te montrer en une semaine, il peut te montrer les documents, les livres, les rapports. Il est allé en Afrique du Sud, il a fait ça. Un enfant même du système. On ne lui a pas laissé passer. Le troisième, c'est la plus grande banque française, la BNP Paribas, a créé un fonds d'investissement qui s'appelait Framlington Fund Management, basé au Cameroun, avec Mbemeng et là. Mbemeng, Mbemeng, c'est les enfants de Paul Biya. Mbemeng, c'est les enfants, hein, c'est lui qui a fait le Mendiang, là. Événement, oh, c'est lui qui finançait toutes ces histoires-là. Mbemeng, ça, c'est les enfants de Paul Biya. C'est les gens qui voient Paul Biya avec le slip. Parce que c'est leur papa. Mbemeng a créé Framlington Fund, là, à Douala. C'est-à-dire qu'il me donne un peu l'occasion de vider mon ventre. Je ne veux pas trop faire ça. Je veux que Il a mon média dure encore. créé Framlington Fund, à Douala. J'ai Framlington entendu parler. étant l'entrée du guichet unique, en face de la chambre de commerce. Framlington n'a rien donné. La BNP voulait injecter plusieurs milliards dans les entreprises camerounaises. Ça n'a rien donné du tout. Parce que, bon, on va vous casser les pieds, parce que, mais, allez, on te combat tellement que, c'est-à-dire que moi, si je veux faire un fonds d'investissement demain au Cameroun, je vais d'abord aller voir ses grands frères. Même si le régime a changé, je vais aller voir Mbemeng et je dis, grand frère, papa. Dis-moi les erreurs sur les embûches sur lesquelles tu as buté. Je vais aller voir Raphaël Onambélé. Je vais aller voir Hervé Niam. Je dis que dis-moi les erreurs. Quand ils vont te raconter les erreurs sur lesquelles ils ont buté, comment on te combat jusqu'à ce que, c'est-à-dire que ta santé se dégrade, tu deviens comme un petit bébé, on te nourrit avec la bouillie. Là, tu comprends ce qu'est. Et pourtant, tu es dans une démarche pour aider ton pays, en fait. Pour aider ton pays. Et tu es même du système. Les noms que je te donne là, c'est les noms des enfants qui sont soit des Onambélé. Demande qui sont ces gens à Yaoundé. Si je dis Onambélé, tu entends le nom. Il arrive tout à fait. Voilà. Je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails. C'est les enfants du système. On ne leur a pas donné la possibilité de faire quelque chose. Et des gens bien compétents, bien formés. Si je dis la BNP venait mettre un fonds d'investissement au Cameroun, c'était au moins du 50 milliards injectés pour dans la trésorerie des entreprises par an. Ah, ça n'a pas marché. On te combat pour diverses raisons. Wow, donc. La capacité, maintenant, il pose la question, est-ce que nous avons la capacité, l'aptitude, les connaissances pour pouvoir mettre sur place un fonds d'investissement au Cameroun? Ben, la réponse est oui. Est-ce que nous savons où trouver l'argent? La réponse est oui. Est-ce que nous pouvons le faire? Il vaut mieux même ne même pas s'aventurer. Parce que le rating du pays n'est pas bon. Parce que le droit local n'est pas bon. Je prends un exemple. Si lui qui parle là, il est médecin, et que nous, il dit, voilà, moi j'ai 50 millions de francs, on va lui faire un financement structuré d'un milliard pour qu'il ouvre une clinique. Mais il sait très bien que dans une ville comme Douala, il peut construire sa clinique, on vient de moi, on met à démolir, on rase et on verse sa terre. Est-ce que je mens? Sans lui demander quoi que ce soit. J'ai un autre appel d'un autre intervenant. Voilà.
Donc, il faut, c'est pour ça que nous disons tous les jours qu'il faut. Stevie, c'est pas si tu m'écoutes, c'est dans la même lancée. Hein. Oui, laissons l'intervenir. Oui, on le laisse terminer en quelques secondes. En quelques secondes, tu vas prendre la parole, tu vas développer. Juste un instant, reste connecté, pardon. C'est pour ça que je dis que il est temps, ce que nous disons là, je vous dis encore, ce n'est pas pour attaquer quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un là à Yaoundé. Tous ces gens-là, c'est des parents. Quand moi je les vois, je les appelle papa, maman. Mais ce qu'on leur dit, c'est que papa, maman, là, ce que vous nous avez fait là, ce n'est pas bien. Parce que regarde la première question que quelqu'un a posée. Parce que les Camerounais ici dans la diaspora ont des compétences, ont des capitaux. Chacun sait ce qu'il peut faire. Vraiment, je chute en disant une chose. Je vis en Amérique. Les Américains ici, 80% des travailleurs n'ont pas les MBA, les doctorats. Ils n'ont pas ça. Tout ce qu'on les fait, c'est que mais vous allez en zone rurale, là, vous voyez les gens dans leur garage, ils fabriquent le whisky. Ils ont les licences et tout, ils livrent le whisky dans les bars. On leur donne les machines. J'ai posté dernièrement comment au Japon, quelqu'un, l'État lui donne 3 machines. Une machine pour semer le riz, une machine pour récolter et un petit ensemble industriel pour égrainer, blanchir le riz et faire des poudres de riz et vendre dans les commerces. Voilà une entreprise. Voilà une entreprise. Tout à fait. Oh, chez nous, tant qu'on n'a pas ça, et c'est ce que la diaspora même demande. Quand tu as ça, même quand tu as ça au Cameroun, ça ne fonctionne pas. Je vais parler du programme que Paul Biya fait, que Paul Biya avait fait pour les projets structurants, avec les tracteurs, tout qu'on avait pris. Ça est devenu un écosystème. Parce que quand mon frère l'a dit, il faut faire un fonds d'investissement. Moi, j'ai été au comice de Bolova pendant une semaine. J'ai vu le génie des Camerounais. Ah, c'est au comice agro-pastoral. Agro-pastoral à Ebolova. Vu le génie des Camerounais. Les Camerounais savent faire quantité. Même Biya lui-même était là comme s'il était dépassé. Lui-même, on lui a dit, mais quand il était dépassé. Mais alors, où va ce génie-là? Ce n'est pas seulement le génie. Quand tu vas vouloir partenaire avec quelqu'un pour faire tel truc, dis peut-être la bouillie de soja avant aux États-Unis. Les difficultés, etc., etc., etc. C'est pour ça que nous disons qu'il faut que ça change. Je prends la question de l'intervenant. Alors, mon frère, bonsoir, bienvenue. Désolé que je t'ai mis en quarantaine pendant ce moment-là. Non. C'est vrai que la quarantaine est déjà officielle aussi en Europe. On va s'habituer ensemble dans les médias. Bienvenue. Bonsoir à notre invité. Merci de me passer la parole, Stevie. Bonsoir aussi aux personnes qui suivent sur les réseaux. Vraiment, merci pour la qualité du débat. L'intervenant est vraiment intéressant. Et ça se remarque dans les commentaires, il n'y a que des suggestions, on n'est pas dans les débats inutiles qu'on a souvent quand on regarde les directs. Il est très instructif, très intelligent, je permets de donner mon avis personnel. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, il faut souvent inviter, parce que je pense que je devrais pas évacuer toutes les questions. Alors, ma première question, juste pour donner encore de l'eau au moulin en fait, de notre invité, dans la continuité, j'ai une deuxième après. C'est par rapport justement à la question là. Comment pensez-vous que si vous n'avez pas été au Cameroun et que vous pensez aujourd'hui qu'il faut que si vous deviez implémenter le programme économique au Cameroun, il faudrait aller rencontrer les messieurs que vous avez cités là, Onambélé, etc., pour que vous disent où vous avez buté. Comment est-ce que vous avez aujourd'hui. Vous dites que vous avez encore besoin de ça alors que vous avez déjà rédigé un programme politique. Et ça dit que le programme politique, il était alors hors sol. Il n'avait pas pris en compte tout cela. Parce que le système au Cameroun, il n'est pas le système aux États-Unis ou en Allemagne où vous êtes allé vous inspirer. C'est des choses spécifiques, hein, c'est compliqué. Donc je ne sais pas si j'ai peut-être loupé quelque chose dans les explications, mais je suis un peu surpris, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Comment attaquer un problème qui est spécifique avec des cas qui sont différents? Voilà un peu la première question. D'accord. Ok, je vais répondre, cher frère. Merci pour ta question. Ta question, elle est essentielle. Je te remercie beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, tu dis, voilà, parce que j'ai bien dit une chose. J'ai passé la moitié de ma vie dans la diaspora, ça ne veut pas dire que je ne vais pas au Cameroun. En somme, c'est deux choses bien différentes. Hein? Au Cameroun, j'ai même le champ, comme on dit chez moi, au patois, j'ai même le champ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la technologie a évolué. On va au champ, on met la caméra WhatsApp, je peux voir où est le champ, ce qu'on a cultivé, ce qu'on a récolté, etc. Moi, toutes mes économies en diaspora, je les investis dans mon pays, le Cameroun. Donc,
je reste attaché au Cameroun où j'ai pied à terre. Ça, c'est le premier point. Donc, je connais bien le pays. Deuxième chose, les moyens de communication aujourd'hui ont fait que le monde est devenu un village. Je suis en communication permanente avec tout type de personnes au Cameroun. Que ce soit les chefs traditionnels, les hommes des guides, la société civile, la famille, les amis, etc., etc. Aujourd'hui, le monde est devenu un village. Je peux te montrer mon WhatsApp. Tu vas voir que le WhatsApp, ça ne fait que les gens envoient plein de messages. Quand il se passe même un accident dans un carrefour de Douala à la minute, je peux connaître ce qui s'est passé. Parce que les gens vont t'informer en t'envoyant un message. Donc, on est connecté. On est resté connecté à notre pays. Mais maintenant, tu dis que si je vais aller demander conseil à Mbemenge, par exemple, un grand frère, si je vais demander conseil à Hervé Niam, si je vais demander conseil à... C'est parce qu'il faut bien distinguer les décisions macroéconomiques qui sont prises à l'échelle d'un pays ou les politiques macroéconomiques à l'échelle d'un pays et les décisions micro qui sont les décisions sur un projet. Tout investisseur, même Microsoft, quand il veut s'installer dans un pays, il paye des experts, des avocats, des sociétés d'information, de rating, etc., etc., pour leur donner les clés du système local, parce que ça varie. Maintenant, quand tu nous dis qu'il faut reconstruire le pays, je n'ai jamais dit que j'ai donné une recette qui doit s'appliquer, non. J'ai plutôt dessiné avec, travaillé avec les acteurs politiques pour dessiner un schéma. Ça veut dire que quoi ? Si demain vous voulez reconstruire l'industrie dans notre pays, ce n'est pas avec un décret, c'est ce que je suis en train de dire là. C'est ce que moi si je peux reprocher un truc à notre père Paul Biya, c'est que lui il a passé sa vie, et on peut le comprendre, il sortait de l'école de 1960 et pensait que c'est le décret qui règle tout. Le décret c'est une chose, mais maintenant ce que j'aurais appris aux États-Unis, c'est que le dialogue, la concertation, si demain on dit qu'il faut relancer l'agriculture, il faut dialoguer avec les paysans, il faut dialoguer avec les chefs traditionnels, il faut dialoguer avec les propriétaires terriens, il faut dialoguer avec les élus locaux, il faut dialoguer avec les banques, il faut dialoguer avec les microfinances, il faut dialoguer avec les écoles de formation, les centres de formation, il faut mettre en place des lycées agricoles, il faut parler avec tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai vu de mon temps que j'ai passé à l'étranger. Et voilà, il faut parler avec les gens, il faut mettre les gens autour de la table, il faut faire une synthèse de tout avant de décider. Maintenant, si on dit qu'il faut faire l'industrie, il faut parler avec le patronat, il faut parler avec les banques, il faut parler avec les... Attends, allons-y pas à pas, laisse-moi répondre. Il faut parler avec les détenteurs d'épargne, il faut parler avec les détenteurs d'épargne, il faut parler avec la diaspora, il faut parler avec les ingénieurs, il faut parler avec les fonctionnaires de l'administration de l'industrie, il faut parler avec les élus locaux pour construire les zones industrielles, il faut parler avec les bailleurs de fonds internationaux pour les capitaux, etc., etc. Ça s'appelle le management public. Moi, quand je travaille avec le président Kamto, je vais lui faire une note en lui disant, président, voilà ce que les Indiens ont fait, ce qu'on appelle corridor de développement. Je vais lui envoyer la vidéo, je vais lui envoyer les... parce qu'il ne peut pas lire 30 articles là-dessus. Moi, je vais lui les articles, et sur chaque article, je vais lui faire une note de synthèse d'une page. Comme ça, fais-moi 10 notes. Je vais lui faire 10 notes. Donc, quand lui va lire et je lui mets le support de l'article, en lisant l'article, en regardant 2-3 vidéos, il peut comprendre très bien ce qu'on appelle corridor de développement. Maintenant, quand il est aux affaires, pour mettre en place, il peut dire, voilà, moi, si je suis élu, je vais mettre en place des corridors de développement. Ça veut dire que si on veut faire l'industrie, il faut implanter un corridor de développement entre Douala et Yaoundé, voire même 2 corridors de développement. Un peu après Edea, un peu avant Ezeka. Parce que vous avez la ligne de chemin de fer, vous avez l'axe lourd à côté, vous avez un aéroport international à Yaoundé, vous avez un aéroport international à Douala, vous avez un port à Kribi, vous avez un port à Douala, et vous avez la possibilité de faire 5 barrages qui donnent 4000 MW d'électricité sur la Samaga. C'est ça le travail d'un économiste. Ok, je crois que... C'est la décision macroéconomique. Et moi, ça va être mon travail pour dire voilà l'impact, calculer les retombées, faire des tableaux Excel, des tableaux qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Donc, ce n'est pas parce que je vais demander... Et en plus, je termine par là. Quand je vais demander conseil à Hervé Niam, c'est parce qu'un vrai décideur, la qualité numéro un d'un décideur, c'est l'humilité. Toujours parler avec les gens. Je vous dis une chose. Je vis aux États-Unis. Dans ce pays-là, l'ancien président, je ne vais pas donner son nom, celui qui venait derrière.
La ville s'y était remplie des chauffeurs de taxi. À peine tu dis un truc, eux l'appellent directement sur son téléphone là-bas, eux, pour lui dire. Parce qu'ils ont toujours des gens qui leur disent, bon, tu vois, quand on dit, il y a eu un événement, les gens sont sortis dans la rue à Chicago. Vous pensez qu'il appelle d'abord le patron de la police? Non. Il a ces gens qui conduisent le taxi dans la ville, qui l'appellent, ils lui disent, bon, tu vois, ça s'est passé comme ça. Après, il appelle les responsables des associations qui lui disent, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça qu'un décideur décide. Un décideur écoute beaucoup. Un décideur consulte beaucoup. Un décideur entend. Et c'est même parce que je peux entendre ce que vont dire les Memengue, les Onambélé, les Vegnam, que je peux faire des notes pour dire, attention, si demain on veut faire un fonds d'investissement au Cameroun, voilà les écueils qu'on doit faire. Voilà le type de loi qu'on doit faire pour éviter tel blocage aux investisseurs, etc., etc., etc. Ok. Ok, j'ai compris. De toute façon, j'allais renchérir effectivement sur quelque chose, mais c'est répondu. Parce qu'il y a des organismes professionnels comme le GICAM et autres qui échangent avec l'État tous les jours, mais bon, ça n'avance pas vraiment. Donc, effectivement, dans ce que vous avez dit, il y a un travail peut-être d'amélioration de ça. Peut-être la communication n'est pas suffisante. Et sur l'aspect de la connaissance terrain, je peux dire que pour moi-même qui suis dans un groupe d'à peu près 10 personnes. On a créé trois entreprises au Cameroun. Mais c'est les personnes qui sont au Cameroun, dans notre groupe, qui nous apportent les solutions. Hein. Alors qu'on a tous les mêmes niveaux, on a les mêmes niveaux intellectuels et autres, mais et la réalité du pays dans les marchés publics, parce que nos trois entreprises sont des marchés publics, montre qu'on est nul. Même si nous, on travaille sur les marchés publics en Europe, mais la connaissance réelle du terrain est hyper compliquée. Bon, en tout cas, j'ai compris que c'était prévu. Et que en fait, le programme aussi, finalement, il faut l'avouer, c'est encore, c'est peut-être détaillé, mais c'est encore un peu grosse maille. Parce que moi, en le lisant, honnêtement, je n'ai pas compris comme l'explication que je sous-entends maintenant. Je n'avais pas compris ça comme ça. Non, moi personnellement, je Et l'ai lu, hein. Moi personnellement, je l'ai lu. donc, il Oui. y a un exemple, par exemple, Oui. sur les impôts, on explique qu'il y aura une réduction d'impôts. Mais il y aura une augmentation de revenus. Par exemple, le SMIC va passer à 55 000 et voire plus en France, d'ici 5 ans. Et il y a par exemple 1 million d'emplois dans 3 et 5 ans. Donc, on a par exemple des choses. Moi, ça me semble contradictoire. On Là, on baisse parle de quel les projet revenus de politique, l'État. pardon. Là, on parle de Non, quel projet non, non, politique? non, je peux répondre. Je peux répondre à Non, mon collègue. je veux juste une question de c'est une question de détail. Là, on parle de quel système politique, de quel projet politique, là? Ça, c'est le projet de Camteau. Le Il dit projet qu'il va politique. baisser les impôts et qu'il va augmenter Oui, les ça, j'ai lu. revenus. Cette partie, j'ai lu. Et il va créer 1 million d'emplois en 3-5 ans. Sauf que dans le programme, Et il a ce n'est dit un pas secteur. expliqué comment, où il va trouver Non, cet il a dit un argent. secteur, c'est pour ça que je suis revenu sur le détail. Il a dit un secteur dans lequel il y aura ce nombre d'emplois-là. Oui, attends, Voilà, je il vais a dit un t'expliquer. secteur. Il a donné l'enseignement. Voilà, Il tout a à fait. donné, dont l'enseignement, c'est les fonctionnaires. Il a parlé du chantier social et culturel. Ça veut dire peut-être créer les académies Dans le centre culturelles, les culturel, centres tout à fait. culturels. Tout ça, c'est des choses qui ne génèrent Voilà. pas vraiment de l'argent. Ça veut Si, dire que c'est. bon. Non, je vais répondre à mon frère là, je vais Ne vois répondre. pas comment ça va générer de C'est pour ça l'argent. que je dis, parce que dans ce point, tu vas Les continuer, enseignants hein. vont être des Tu fonctionnaires. vas continuer, pardon. Je veux juste que ceux qui nous suivent là comprennent un peu, parce que sinon ils ne vont pas comprendre, parce que ceux qui n'ont pas Si, lu. si, c'est pour ça que tu m'as posé la question, je réponds, je Oui, t'explique. oui. Il a dit par exemple 100 000 dans l'administration centrale. Donc, on va avoir plus de fonctionnaires, de plus en plus de charges, en fait. Mais en fait, on va réduire les impôts des entreprises. Et on va donc trouver l'argent où payer ces fonctionnaires quand aujourd'hui même déjà les caisses sont vides, en fait. Et il a peut-être une technique derrière, mais je dis dans le programme, ce n'est pas listé, ce n'est pas expliqué, en fait, le mécanisme qui va faire qu'on baisse, en fait, l'argent de l'État. Mais on donne plus aux populations. On trouve ça, en fait, c'est l'idéal. Tout le monde, même moi, si je crée mon parti, j'aurais Regarde pu citer ça, en fait, ça. je J'aurais pu comprends citer mieux ça. Je ça. donne 100 000 à tout le Écoute, monde écoute un au SMIC. instant, écoute un instant. Je comprends mieux ce projet-là, cette partie-là. Pourquoi? Parce que je suis dans une administration allemande, par exemple. Et en Allemagne, tu vas te rendre compte que, contrairement à certains pays d'Europe, la France, par exemple, la France en l'occurrence, il n'y a pas de péage en Allemagne. Il n'y a donc pas les mêmes méthodes en termes de taxation, en termes d'impôts qu'en France. Par contre, en Allemagne, les gens gagnent plus, mais ils payent parfois des taxes de façon, ils payent moins les taxes moindres. Et l'incidence que ça a, c'est quoi? Est-ce que ça responsabilise la population?
de telle sorte que la population maintenant devienne un acteur dans le développement, dans le processus de développement. Par contre, si on augmente trop les taxes, la population va subir le développement et donc ne va plus s'engager. Par contre, il faut tenir compte du background du Cameroun et de l'histoire du Cameroun. On est dans un espace où les gens. Ce que tu dis est juste. Oui, Ce que tu non. dis est juste, sauf qu'il y a une différence, c'est que en Allemagne, on ne va pas mettre plein d'argent pour créer des fonctionnaires, mais on va plutôt injecter. Je peux Non, répondre à la question parce que depuis là, je peux pas répondre à la question. Il faut que je dis s'il que me le pose une projet question, là. que j'ai besoin de répondre à la question. Ok, tu peux dire un mot là, tu peux dire un mot là si tu veux Voilà. pas. Non, pas un mot, je veux répondre à sa question. Oui, sans problème. Je pense que, mon cher frère, je pense que ce que nous devons faire, c'est la responsabilité de nous autres, de la génération camerounaise. Discutons pour enrichir, mais discutons pas pour dénigrer. Vous savez, si on saucissonne le discours d'un homme politique, on peut lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Si on saucissonne le discours d'un homme politique, on peut lui faire dire ce qu'on n'a pas dit, ce qu'il n'a pas dit. Moi, j'ai créé des entreprises au Cameroun et j'en crée même encore. Ce que Maurice Kamto a dit, il a dit qu'il va faire baisser certaines taxes pour lancer l'investissement. Vous êtes au Cameroun, vous savez combien on prélève en termes de droits d'enregistrement pour l'enregistrement du capital des entreprises. Résultat des courses, quand quelqu'un vient, il veut investir 500 millions en termes de une entreprise qui aurait dû mettre 500 millions de francs CFA de fonds propres, il va enregistrer la société à 100 millions de francs. Parce qu'il ne veut pas donner 50 millions de francs à l'État. Il va enregistrer la société à 100 millions de francs de capital. Et résultat des courses, le reste après, il présente des dettes. Ce qui n'est pas bon. Alors que si on avait fait une fiscalité, et tout ça, c'est les inspecteurs, je ne veux pas aller, je veux pas, j'ai aussi des trucs au pays, je ne veux pas me mettre à dos les gens. Tout ça, c'est fait parce que quand il vient maintenant discuter, on dit, bon, tu dis quoi alors? On négocie. Quand on dit qu'il faut sortir de là, et ça, c'est ce que le JICAM demande tous les jours à l'État du Cameroun. La Chambre de commerce demande tous les jours à l'État du Cameroun. Toiletter la fiscalité parce qu'il y a un nombre incalculable d'impôts qui parfois sont fixés par circulaire, qui on ne sait pas trop. Il avait même pris un exemple. Le bureau de gestion du fret terrestre. Je parle à mon interlocuteur qui est là. Le bureau de gestion du fret terrestre. On avait sorti l'article. Ce bureau-là encaisse 200 milliards par les vignettes qu'il délivre, bref, tous les passes, etc., etc. Mais il n'y a pas 5 francs qui entrent au trésor. Il n'y a pas 5 francs qui entrent au trésor. Et quand on avait mis au défi, quel que soit Camerounais, de lui montrer la ligne où l'argent du bureau de gestion du fret terrestre va dans les caisses du trésor. Tous les membres de cette affaire sont membres du comité central du RDPC. Vous pouvez définir pourquoi. Ils s'achètent une protection. C'est un argent qui est géré dans les caisses des gens. Et un homme d'État, s'il se veut être un vrai homme d'État, il vous dit deux choses. Soit vous payez, on met dans les caisses de l'État et on utilise ça pour améliorer les conditions des transporteurs routiers Et et des routes. même et autres. Soit on supprime carrément cette pratique et on ferme cette histoire. Celui qui prend encore 5 francs est considéré comme un crime économique et on le met en prison. Qu'est-ce qu'il y a de méchant? Pourquoi vous nous amenez sur un terrain qui n'est pas le terrain? Je veux dire, discutons pour construire quelque chose, mais ne discutons pas pour vouloir démontrer forcément que l'autre a tort. Non, attends, attends, non, je t'ai laissé parler, s'il te plaît. Je t'ai laissé parler. Laisse qu'il finisse, tu vas Je t'ai donner laissé parler. un Donc, il a dit qu'il faut d'abord toiletter la fiscalité. Il a dit qu'il fallait baisser l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés est très élevé au Cameroun. Conséquence, les sociétés font ce qu'on appelle de l'externalisation. Je pourrais t'expliquer comment elles font. Elles font ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et l'optimisation fiscale, c'est les rapports de la Banque mondiale, font perdre à l'État du Cameroun 1 000 à 1 200 milliards par an. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On amène les hommes d'affaires, JICAM, multinationales, on les met sur une table. On fait un deal, on dit, écoutez, d'accord, vous nous amenez, on fait par exemple, quand on fait les Indiens, on met un système dégressif de paiement d'impôts sur le revenu en fonction du aging, comme on dit en anglais, de vos investissements. Et à ce moment, on crée des conditions. J'avais par exemple pris un exemple. Si on dit Orange Cameroun, bon, chaque année, tu fais 30 milliards d'impôts sur le revenu, oui. Tu fais 30 milliards. Il y a des milliers d'enfants qui sont à la start-up.
qui sont la Silicon Mountain à Boya. Si toi, Orange Cameroun, tu prélèves une quantité de tes bénéfices, soit 30%, par exemple, ton impôt sur le bénéfice, c'est si on est par exemple à 25%, donc tu dois payer à peu près 7 milliards et demi. Bon, si toi, Orange Cameroun, sur les 7 milliards et demi, si tu investis 50% au Cameroun, ça veut dire 3 milliards et demi, tu mets ça dans un fonds d'investissement qui a la Silicon Mountain. Et ce fonds d'investissement finance les projets des jeunes créateurs camerounais qui sont à la Silicon Mountain. Quand ce fonds d'investissement, comme un fonds d'investissement a une durée de vie de 10 ans, si l'argent reste dans ce fonds d'investissement après 10 ans, quand tu revends tes parts, ça veut dire si tu as mis 3 milliards et demi, comme on appelle exit, ça veut dire au moment où tu sors, tes parts de 3 milliards et demi peuvent valoir 35 milliards, tu ne payes pas d'impôt dessus. Mais l'avantage, c'est que tu vas mettre l'argent dans des startups qui peuvent créer 1 000 milliards de valeur en termes de logiciels, de jeux vidéo, de etc., 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 etc. C'est pour ça que je dis que Kamtoy parle vite, mais il faut bien le comprendre et bien expliquer. Donc, il avait dit, il faut toiletter, non, donne-moi une minute, s'il te plaît. Il faut toiletter notre système fiscal pour pouvoir donner la capacité aux entrepreneurs de respirer. Parce qu'il y a beaucoup de boulot d'étranglement dans notre fiscalité et le système n'a pas été toiletté. Quand tu crées une entreprise au Cameroun, les gens arrivent de partout, on va sceller. C'est pour ça que les entrepreneurs sont maquis. Parce qu'il y a tellement de textes. Quand tu demandes, tu mets où est ça dans la loi de finances, il te brandit une circulaire. Quand tu veux parler, il dit opposition à fonctionnaire en service. Il vient avec un policier, il dit je vais mettre les scellés dessus. C'est ça qui asphyxie les entrepreneurs, ils en ont le maquis. Quand tu dis je vais toiletter ça, je vais mettre de l'ordre, je vais mettre une fiscalité raisonnable et attractive. Et quand on dit fiscalité attractive, ça veut dire une fiscalité indexée sur l'investissement. Plus tu investis, moins tu payes. Chez nous, plus tu investis, plus tu payes. La fiscalité date de 1960. Il faut toiletter ça. Deuxièmement, quand on dit qu'il va créer des emplois et il va relever le niveau du SMIC, mon cher monsieur, je suis économiste. Je n'aime pas trop faire le bruit, mais je suis économiste. Voilà. Il y a une corrélation concomitante, je parle en français, entre l'augmentation de la productivité des entreprises et l'augmentation des revenus. Tu peux aller sur le site de datacameroun.com. J'ai commis un article là-dessus que j'avais donné à Joshua aussi, qui disait qu'il va augmenter les revenus sans nous montrer la productivité. Quand toi dis, je donne des crédits d'impôt aux entreprises pour renouveler leurs outils de travail. Je suis un transitaire au port de Douala. J'ai un camion qui va porter un conteneur au port. Ça va stationner quelque part. On décharge ça en 4 heures. Je ramène au port, je prends un autre. Donc, je fais 2 conteneurs par jour. Si j'ai un crédit d'impôt qui me permet d'accrocher un système à Malif, à mon camion, ça veut dire que je prends le conteneur le jour où je vais, je dépose. Je prends le conteneur le jour, je vais, je dépose et je les reprends la nuit quand on les charge. Ça veut dire qu'en une journée, je suis capable de déposer 10 conteneurs dans la ville et de les reprendre dans la nuit. Donc, en 24 heures, au lieu de traiter 2 conteneurs, j'en traite 10. Et comme on me paye 300 000 par conteneur pour ces opérations-là, je perçois 3 millions au lieu de 600 000 francs. À partir du moment où je perçois 3 millions, l'État est en droit d'exiger dans les conventions collectives des transitaires. Ce n'est pas l'État qui fixe. L'État fixe le SMIC et l'État est obligé de dire au transitaire, monsieur, je vous ai donné un crédit d'impôt. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce qu'on appelle un tableau de financement. Quand on vous retire de la trésorerie à l'extérieur, ça veut dire qu'on vous augmente du cash inflow. Quand on enlève la trésorerie, ça veut dire que si on fait un crédit d'impôt, c'est du cash inflow qui augmente. Comme je vous ai fait ça, vous vous asseyez au ministère dans le cadre du dialogue social entre le ministre du Travail, entre les syndicats des aconiers, entre les intérêts des travailleurs du secteur du transit, on décide que voilà, il n'y aura plus personne dans le transit au port qui va toucher moins de 56 000 francs. Parce que l'État vous a donné un crédit d'impôt pour que vous vous équipez mieux, vous ayez des meilleurs outils de travail. Vos revenus ont augmenté, aucun emploi ne va plus toucher moins de 56 000, il aura un SMIC à 56 000 francs. Et ensuite, vos cadres supérieurs vont être mieux payés. C'est le dialogue social. L'État a tous les données. La chambre de commerce est là, le JICAM est là. On dialogue, on signe une convention collective, on fixe une nouvelle grille de salaire. C'est comme ça qu'on gère une économie, monsieur. Si vous voulez, je peux vous prendre 100 exemples comme ça à la pelle. Vous avez affaire à un économiste.
Non, je sais, je suis convaincu. Ah, vous savez. Vraiment clair et logique, OK. il n'y a pas de souci. Ta dernière question, ta dernière question, Oui, la dernière question. on est à la Oui, fin de c'était l'émission. juste pour rassurer notre invité. Hein. Je ne doute pas du tout de ce qu'il dit. Et c'est bien le système que Macron a mis en place, la réduction des charges des entreprises pour qu'elles développent plus. Je ne doute pas du tout de ça. Hein. Il y avait juste quelque chose derrière mon esprit qui me disait que si quelqu'un a une entreprise, par exemple, avec 100 millions, et que on dit on réduit de 5, et déclare, parce que le système est déclaratif des impôts au Cameroun, et déclare 50 millions. Le jour où on va dire que bon, on réduit de 50% les impôts, qu'est-ce qui nous dit qu'il va déclarer toujours les 100 millions? Donc c'est juste ça en fait. Quel est le Non, non, c'est mécanisme pour ça qui que va je s'assurer dis que les gars vont être honnêtes? tout. Est-ce que ça ne va pas enrichir les riches comme ça Non, fait en France? Parce non. que voilà 3 ans, qu'est-ce qui s'est C'est passé très depuis? différent du système français. C'est pour ça que j'ai tenu à dire ici que moi, j'ai lu son projet. J'ai vu beaucoup de similitudes, beaucoup de similarités avec le système allemand. Le système français, c'est pas pareil que ce que j'ai vu. Parce que ce que moi, j'ai vu, en Allemagne, on passe sur un système social. Ça veut dire quoi? Que les entreprises les plus cotées, qui ont le plus de revenus, payent le plus pour équilibrer la balance sociale en termes de Non, revenus. Macron a changé. Macron a Non, je changé parle ça. de l'Allemagne. Je parle de l'Allemagne. Ah, ok. Donc, ça qui dit qu'au niveau du projet du professeur Camteau et du projet social allemand, il y a beaucoup de ressemblances. Donc, c'est à ce niveau qu'on ne s'est pas compris. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à côté de ça, ce qui a manqué, c'est que dans le système camerounais, moi j'ai vu ça quand j'ai lu le projet économique du professeur Camteau, ça m'a fait un peu rire. C'est qu'en Allemagne, le seul élément qu'il n'y a pas, c'est qu'en Allemagne, il y a le social qui paye parfois 800 euros à ceux-là qui n'ont pas de travail, pour leur permettre donc d'être capables d'avoir du travail. Et en ayant le travail, donc, ils sortent donc de la dépendance du système et commencent à produire eux-mêmes, entrant dans 1200 euros et payant donc les charges sociales pour que d'autres personnes comme elles, qui n'ont pas ce travail-là, permettent aussi de redynamiser encore et de permettre à d'autres personnes d'avoir du travail et d'avoir des revenus. Comme au Cameroun, on n'a pas cette base-là parce que la banque centrale est faible, il faut commencer déjà à mettre les gens dans le travail, dans le domaine du travail, fortifier l'État avec des fonctionnaires, et plus tard l'État va commencer à se faire. Je crois que ce sont des bases. Cher frère, je voudrais dire une chose en une minute. Si on augmente la productivité des entreprises, on ne peut pas augmenter les salaires. Ça veut dire que si quelqu'un produit avec une vieille machine qui tombe en panne 3 jours et qui marche 3 jours, qui consomme 10 fois plus d'électricité et qui sort les produits où 20% des produits sont défectueux, vous ne pouvez pas venir lui demander d'augmenter les salaires. Mais si vous lui donnez un crédit d'impôt, c'est ce que disait le professeur Camteau. En fait, il n'a pas dit Jean Crédit, il a dit on doit s'asseoir et dialoguer avec eux. J'ai pris un exemple, hein, mais si vous voulez, moi, le programme que vous avez vu, c'est la version condensée. Sinon, on dirait un programme fait 300 pages. Si on publie le programme 300 pages, personne ne va le lire. Mais maintenant, il y a plusieurs choses, points sur lesquels on doit négocier, plusieurs points avec les entreprises. Une fois qu'on négocie, on dit, bon, voilà, vous, on va vous donner des crédits d'impôt. On dialogue, on vient, il y a tout un dialogue. Et c'est ça qu'on ne voit plus chez nous. On pousse notre président à faire seulement des décrets. Il a des conseils à la présidente qui lui dit signe ceci, on signe. On ne se concerte pas avec les gens. Mais quand on fait ça maintenant, ça se fait branche par branche. Si c'est le transit, c'est le transit. Si c'est les industries plastiques, c'est l'industrie plastique. C'est des accords qu'on appelle les accords de branche. Et quand on a fait les accords de branche maintenant, on enterre ça avec le dialogue social. Maintenant, l'État fait seulement une loi cadre. Et à partir de ce moment, on permet aux entreprises de relever leur. Je prends un exemple pour ceux qui ont vécu en France. La prime Juppé. La prime Juppé à la casse. Vous avez votre vieille voiture, on vous donne une prime de 5 000 euros. Vous achetez une nouvelle voiture qui vaut 30 000 euros et on prend votre voiture, on la recycle. L'État met 5 000 sur la table. L'entreprise qui recycle récupère la matière première, la ferraille et autres qui vaut pratiquement 3 000 euros, produit une nouvelle voiture dans laquelle l'État perçoit pratiquement 6 000 de 7 000 de taxes. Et après, quand la voiture est vendue, l'État perçoit 2 500. Donc, l'État a 10 000 de taxes. Donc, l'État sert de 5 000 francs de taxes. Meilleure qualité de l'environnement. On relance la production dans les chaînes. On emploie plus de personnes. Et derrière, il y avait le dialogue social. On dit, voilà, parce que nous allons mettre ce dispositif en place, il va falloir que vous embauchez les gens. Vous les payez nettement mieux que, voilà, nous allons mettre en place des programmes de formation. L'économie, c'est un tout. C'est clair. C'est ça que je dis, je l'ai dit, j'assume, je déplore qu'on n'ait pas bien expliqué ça. Et quand les politiques vont à la télé, ça va tellement vite. Et Tout à puis, fait. bon, Tout à fait.
nous poser ta dernière question parce qu'on a, on est déjà arrivé à la fin de l'émission là. Oui. Je pense même que je vais passer plus tard à la troisième parce que. Non, la dernière en fait. La dernière. J'ai dit la dernière, je n'ai pas dit la deuxième. Parce que j'allais poser une question sur les PPPS dont je pense que le Cameroun n'est pas prêt, mais je crois que ça risque d'être long. C'est pas ma dernière émission, hein. Je te rassure, c'est pas ma dernière émission. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Je te suis et le jour où notre invité est encore là, je vais essayer d'appeler. Le CFA, la sortie du franc CFA qu'il expliquait dans le programme, je ne sais pas si c'est toujours vous qui avez un peu aiguillé le professeur Maurice Kamto, mais il manque le mécanisme. C'est un peu trop simple. Je dis juste qu'on va sortir du franc CFA, quitte à juste s'allier avec un pays, puis deux, puis trois. Mais quel est le mécanisme? Parce qu'on ne sort pas d'une monnaie comme le franc CFA aussi simplement que cela. Donc, c'est... Je ne sais pas comment tu t'appelles. La question est claire, mais je dis... Il y a des gens qui se lèvent le matin et cherchent des problèmes. Bon, quand toi-même... Quand toi-même, tu vois un entourage comme celui du professeur Kamto... Hein, tu imagines que les gars ont un plan. Le professeur Kamto a fait au moins 8 jours à réfléchir sur le projet dont il parle là. Et je sais qu'il y a un projet, il y a un plan qui est construit. S'ils n'ont pas mis ça ouvertement, c'est parce que c'est une question financière. Et je crois qu'il y a des stratégies quand même qu'ils n'ont pas voulu mettre dehors. Ils ont voulu mettre la psychologie dehors pour dire nous, on est de ceux-là qui voulons sortir. Si tout le monde, parce que tout le monde, ils ont quasiment tous mis la sortie du franc CFA. Et comment on choisit? Donc, qui connaît la vraie stratégie pour sortir? Non, mais RDP, ce n'était pas pour sortir du franc CFA. J'ai lu leur projet, moi. Ils n'ont pas voulu sortir du franc CFA. Je vais même dire à mon invité. La note existe. La France a sommé le Cameroun de présenter un échéancier pour la fin du franc CFA, comme ça s'est fait en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, si ça bloque, c'est à cause du Cameroun. Non, il ne peut pas nous dire que c'est le RDPC. En Afrique centrale, si c'est bloqué, c'est à cause du Cameroun. Ouais. Donc, de toute façon, ce que je veux dire, c'est que pour sortir du franc CFA aujourd'hui, de donner une stratégie, c'est totalement se mettre tous ceux-là qui soutiennent le franc CFA à dos. Et je crois qu'en plus du problème camerounais, il ne faut pas se mettre encore toute la communauté internationale à dos en mettant des stratégies comme ça. Non, le CFA, je voulais dire une chose, c'est que le CFA est déjà fini. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai partagé sur mon mur Facebook une note à l'époque, une déclaration publiée de François Hollande et Pierre Moscovici en France. À l'époque où Hollande était président, Moscovici était ministre des Finances. Il revenait de la revoilà. Deuxième chose, ceux qui ont la lecture de l'économie ont compris que le CFA était fini en 1994. La dévaluation, en fait, c'était pas la... On a présenté ça comme étant la dévaluation. C'était pas la dévaluation. C'est que quand on a construit l'Europe, j'explique bien pour que les gens comprennent. La France a mis un mécanisme en place qui était le suivant. Elle a créé un compte d'opération qu'elle a mis au Trésor français. Et c'était le contexte de la guerre froide. Les pays africains ont été placés plus ou moins... Il y avait un consensus au niveau du G8 pour que nos pays soient placés sous tutelle de la France. La France a donc utilisé le système de compte d'opération pour faire que, voilà, elle faisait de la création monétaire. Ça veut dire qu'elle imprime des francs CFA. Vous avez besoin de devises? Oui. On imprime des francs CFA. Vous pouvez importer les médicaments de France, les véhicules Renault pour vos fonctionnaires, les véhicules Peugeot, le jambon Zouan, les macaronis Barilla, Panzani, le vin rouge Baron de l'Estaque, etc., etc., etc. Donc, vous n'avez pas assez de devises. La France imprimait, mettait dans votre compte d'opération. Et puis, quand vous vendez vos matières premières, donc elle prélevait sa part là, en qu'elle convertissait en dollars pour ses propres besoins. Quand on a mis en place le serpent monétaire européen, on a mis ça en place en 78. L'euro est arrivé dans les années 90 et poussière. La raison pour laquelle ça a mis long, c'était le franc CFA. Parce que l'Allemagne disait, écoutez, nous, on ne veut pas accrocher cette histoire à la Banque centrale européenne. Et on ne veut plus de ça dans votre trésor public. Donc, le mécanisme qui permettait à la France d'utiliser la création monétaire pour acquérir les matières premières d'Afrique à un franc symbolique, il était mort. Donc, c'est ça qui a fait que les négociations en négociation, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du couple franco-allemand. Vous n'avez pas vu les Britanniques dans cette affaire, parce qu'ils n'avaient rien de tel.
Donc, la France est maintenant sortie de là, a dit, bon, voilà. Donc, quand on signe le truc en 1994, en fait, c'est la fin du CFA là. C'est-à-dire que tous les grands investisseurs de la planète ont compris que le CFA est fini. Maintenant, il y a ce qu'on appelle en anglais accommodation. Ça veut dire comment on fait ça par étapes pour ne pas blesser les amis africains. N'oubliez pas qu'à cette époque, il y avait les Yadema, les Mobutu, bref, il y avait tous ces hommes d'État là au pouvoir. Donc, il faut faire ça doucement pour que ça ne froisse pas tout le monde. Donc, la France a dû prendre ça. On dit handle it carefully. C'est-à-dire que elle a dû prendre ça doucement, 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 doucement. Mais en fait, en 94, la réforme de 94 signe l'arrêt de mort du franc CFA dans sa forme originelle. Bon, on y allait petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'au moment où les Hollandes sont arrivés avec l'évolution des choses. On dit, bon, vraiment, c'est terminé. Parce qu'en fait, c'est des décisions qui se prennent au niveau du G8 en disant c'est terminé parce qu'on voit les États-Unis qui sont en train de pousser pour dire aux gens dans le G8, écoutez, il faut que l'Afrique passe un marché commun parce que. Vous voyez, la Chine, si elle est attractive, c'est parce que c'est un marché d'un milliard et demi. L'Afrique, si elle fait un marché domestique de 3 milliards, elle devient attractive. Donc, il faut mettre fin au franc CFA. Non, j'explique, c'est important que j'explique. Il faut mettre fin au franc CFA. Il faut sortir du franc CFA pour faire un marché commun africain avec une monnaie, au moins d'abord par quatre blocs. Crée L'Afrique du Nord. Non, Voilà. le marché, il faut des Tu avais écrit devises. ça, moi j'allais être content. OK. Crée le De marché toute façon, hein. commencement. De toute façon. Non, non, attends, Sylvie, s'il te plaît, donne-moi qui me donne une minute, j'explique. Parce qu'il ne peut pas poser une question sérieuse Mais il si n'a quand pas il voit. posé une question en fait. Il a donné un point de vue. Non, il dit comment est-ce que quand Camtoa dit qu'il va sortir du CFA, est-ce qu'on pense vraiment qu'il va sortir du CFA? D'abord, je précise que Camtoa a plusieurs conseillers autour de lui, je ne suis pas le seul. Et puis, ça ne veut pas dire que ce que moi je vais lui dire, il va prendre ça en compte. Il a beaucoup de personnes qui lui Tout à disent fait. ce qu'il va faire. Donc, ce n'est pas pour moi qu'il écoute. Mais moi, je peux assumer quelque chose, ou bien je peux expliquer quelque chose. Bon, maintenant, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est que même la France a très bien compris que la petite CEMAC auquel elle s'accrochait, ça ne va rien lui apporter. En revanche, si on construit un ensemble économique qui part du Sénégal jusqu'à la RDC et l'Angola, ça va lui rapporter beaucoup. Parce que c'est un grand marché domestique qui aura presque 1 milliard de personnes. Et là-dedans, ce sera intéressant pour les entreprises françaises. Les entreprises françaises savent se battre en Chine contre les entreprises américaines pour gagner des marchés. Elles savent se battre, je rappelle, aux États-Unis contre du Veolia, c'est une entreprise française qui a racheté toutes les entreprises américaines. Donc, elles savent se battre. Donc, ça ne les fait pas peur. Simplement, c'est les Françafricains, comme nous on appelle les réseaux Françafricains, qui vont forcément mourir parce qu'en fait, elles ne font pas vraiment des affaires. Elles font un mélange entre les affaires et autres choses. Donc, les PME françaises, les grands groupes français savent se battre et peuvent se battre. Maintenant, il y a les Françafricains, ça veut dire que les gens qui ont hérité des plantations coloniales, comme les Safa Kamo au Cameroun, ça, eux, ils ont du mal parce que c'est un système qui ne leur convient plus. Et là aussi, la France, petit à petit, elle a été poussée. Et en plus, autre chose, je pourrais aller, ça va nous prendre un temps fou, expliquer la gestion des devises, la gestion des réserves, tout ça se passe sur les marchés financiers aussi. Beaucoup de choses ont changé. Bref, le CFA tel qu'il avait été créé dans les années 45, il n'a plus aucune substance quand on connaît les mécanismes de fonctionnement de la finance internationale et l'économie aujourd'hui. Il n'a plus aucune valeur. C'est une valeur nulle. Donc, les Français ont bien compris ça. Ils ont poussé en Afrique de l'Ouest et les pays de l'UEMOA ont dit, bon, on abandonne ça, on va vers une transition vers l'éco. Ils sont en train de pousser en Afrique centrale. Là, le seul endroit qui bloque, c'est le Cameroun. Ouais. Et Maurice Kamto, dans cette affaire, dit, moi, président, je vais accompagner le processus pour qu'on sorte de là. Pourquoi on arrive à quelque chose de plus solide? Je m'arrête là. Je suis Super, d'accord. Et super. Mon moi, j'aurais frère, aimé que ça rentre dans le programme frère au parce qu'il faut téléphone, être mon frère au beaucoup plus téléphone, clair. regarde, mon frère au Oui. téléphone, est-ce que tu m'écoutes? Je te Oui, dis oui. vraiment merci pour cet Oui. appel. Il y aura d'autres émissions que nous allons consacrer à voilà, comment dire, à l'autopsie, si tu veux qu'on appelle ça comme ça, des entrelignes de ce que le professeur Maurice Kamto a mis dans son programme. Ce soir, nous OK, il n'y a sommes pas de rendus souci. clairement à 23h déjà. 23h36 de l'Europe, d'Allemagne. Et pour le respect que j'ai pour mes internautes, il faut que je vous libère, comme vous savez, notre émission, mais généralement 1 heure maximum, 1h30. Nous sommes rendus à plus de 2 heures, donc il faut que je me sépare. C'est toujours difficile, mais les bonnes thématiques ne se doivent pas d'être vraiment longues. On discute, là, vous aurez le temps pour ceux qui sont venus en retard de re-suivre la vidéo, ça envoie toute une longue bande devant vous. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous inviterons d'autres personnes. Si
L'invité d'aujourd'hui nous fait encore grâce de sa présence. Ce sera avec joie. Si parmi vous, il y a d'autres personnes Avec expertes dans un plaisir. domaine particulier, venez, l'invitation est renouvelée. On discutera des problèmes du Cameroun avec un peu plus de hauteur et les débats seront plus ouverts, plus agrémentés. Donc, je dis merci particulièrement à toutes ces personnes qui ont salué de leur présence vraiment distinguée ce soir, cet entretien avec Élisée Yonta, qui est voilà, un économiste aujourd'hui que nous ne présenterons plus parce qu'il est connu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dont tout le monde le connaît aujourd'hui avec les points de vue assez pointilleux. Vous avez vu les rapports qu'il a eu avec la sphère politique du Cameroun, avec la sphère de l'opposition du Cameroun. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'a plus beaucoup de choses à démontrer en ce qui concerne l'établissement de sa personne et de ce qu'il a en termes de bagage intellectuel et dans son domaine économiste, macroéconomiste, si je ne me trompe pas. Donc, merci à toi qui as appelé, qui a pris le téléphone aujourd'hui pour nous soutenir, pour nous donner tes points de vue, tes contributions, tes questions. Merci à d'autres personnes qui ont appelé. Les commentaires ont été bien reçus. Merci de nous avoir suivis. Alors, Élisée, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire avant que nous sortions de cette émission? Non, je te remercie parce que comme tu sais, tu es un ami, un frère. Et comme je dis souvent, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça nous donne vraiment. Moi, je me suis essayé dans le format télé. Hein. Chaque fois que je vais à la télé, je suis frustré parce que ça va très vite. On te pose une question en 2 minutes. Tu es obligé de condenser ta réponse. Et voilà, c'est que tu vois que, on a eu deux frères camerounais qui ont appelé. Au début, il y avait incompréhension et après, on s'est compris. C'est simplement parce que là, peut-être j'ai eu la chance d'avoir 10-12 minutes pour expliquer les choses, alors qu'à la télé, on m'aurait donné 15 secondes et en 15 secondes, tu peux pratiquement rien dire. Et si quelqu'un n'est pas un initié, il ne comprend pas. C'est-à-dire, si quelqu'un vient à la télé et dit vraiment, je vais réduire l'endettement en faisant du PPP et du BOT, c'est les initiés qui comprennent, sinon les profanes, ils ne comprennent rien. Donc, je suis vraiment content de venir sur la plateforme. Et d'expliquer ça comme ça, parce que ça permet que vraiment les Camerounais comprennent beaucoup de choses. Et j'étais content de tirer l'alarme sur la question de l'endettement. Je sais que peu d'économistes en parlent au Cameroun. Je sais pourquoi, parce que beaucoup, c'est des fonctionnaires. Et s'ils parlent de ça, ils vont se faire tirer les oreilles. Peu des médias en parlent. Les médias sont subventionnés chez nous. Celui qui parle de ça va se faire tirer les oreilles. Les réseaux sociaux et une plateforme comme celle-ci, c'est l'unique chance pour nous de pouvoir dire aux Camerounais, attention, parce que demain, quand on va être croqué, il ne faut pas qu'on vienne commencer à dire avec les mots, non, c'est un complot, l'Occident. Non, 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 non. Il faudrait qu'on sache très bien où on va. Et c'était vraiment un plaisir pour moi. Un exercice comme celui-ci, c'est un exercice que j'affectionne. Je peux faire ça pendant 6 heures de temps, que je ne serai pas fatigué. Que je serai pas Ah, fatigué. j'ai remarqué. Je ne serai pas fatigué. Mais il y a autre chose, là, ça me fatigue au bout de 10 minutes. Donc, vraiment, c'est un exercice que j'affectionne. Parler d'économie, expliquer, parce qu'il y a aussi une chose, je ne remercierai jamais assez l'Amérique. Je ne remercierai jamais assez l'Amérique. Surtout quand je pense que quand j'ai eu la développeur, j'ai hésité à venir en Amérique parce qu'on me disait, mais tu vas faire quoi là-bas? Est-ce que tu es confortablement installé ici? Mais arrivé ici, j'ai eu l'occasion, c'est la chance que l'Amérique m'a donnée, c'est l'unique chose que j'ai vraiment gagnée ici, c'est d'aller dans une très grande université, d'apprendre beaucoup de choses. Et je le dis souvent, je peux parler d'économie. Pendant 150 000 heures, je n'aurais pas épuisé le stock parce qu'on a appris tellement de choses et ça permet de répondre à une infinité de questions chez nous. Bon, j'espère que maintenant, j'aurai l'occasion, si tu m'invites encore sur ta plateforme, je reviendrai avec plaisir pour pouvoir échanger avec les Camerounais, même revenir seulement pour répondre aux questions qui sont des questions économiques, mais expliquer bien les concepts pour que les Camerounais comprennent, prendre des exemples terre à terre pour que les Camerounais comprennent. Toutes les petites choses du quotidien pour que les Camerounais puissent comprendre. Et ça va favoriser la paix. Parce que la paix dans un pays en danger, quand on donne la parole aux extrémistes, ou quand on donne la parole aux gens qui ont la haine, mais quand on donne la parole aux gens qui expliquent les choses pour que ce soit accessible à tout le monde, chacun comprend et les gens ne s'étirent plus. Et puis voilà, ça participe à la construction de la paix dans un pays. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, chers amis, chers amis internautes, amis avec E et sans E, hein, donc, mais avec S à la fin, j'insiste. Voici donc venu à terme notre émission, notre entretien de ce jour. Vous savez, généralement, de tradition, je le fais le mercredi, mais avec des conditions compliquées, j'ai dû repousser ça à jeudi parce qu'il fallait que nous nous accommodions sur le temps. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je souhaite une bonne soirée à notre invité spécial, Élisée. C'est un plaisir de t'avoir.
Dieu seul sait à combien de kilomètres nous nous trouvons aujourd'hui, mais la magie des réseaux sociaux, c'est aussi ça. Donc, les médias conventionnels sont en train de mourir avec la crise de Corona. Voici les nouveaux médias. Et il faut que nous nous exercions à cet exercice-là. Pour ceux qui sont au pays, en Europe, n'hésitez pas de faire partager ce genre d'informations à vos enfants à partir de vos ordinateurs, de vos téléphones, même des partages, parce que c'est ça qui va constituer la bibliothèque historique de vos enfants ou bien de ceux qui naissent dans la diaspora. Donc, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc une autre fois, mercredi prochain, plus précisément pour une autre discussion, entretien avec, et je vous informerai déjà de qui sera l'invité de la prochaine séance lors de la semaine prochaine. Donc, c'est-à-dire avant la semaine prochaine, quoi. Bon, portez-vous bien. Au revoir. Bonne soirée encore à toi, Élisée. Merci. Bye.